Ben Fine contre Ward. 10 semaines, 10 buts. Fine Steel, élevé! Ok, Kevin Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe par la plaisir. Il a la Veilleux! Ainsi, ça, encore une fois. Il va de la même fin. Et cette fois-ci, il s'est marqué. Olivier! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source Hélène H, la balado officielle de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Tristan Côté-Cazenave, gardien des 3L de Rivière-du-Loup. Et on a en notre compagnie François Riopel. Messieurs, comment ça va? François, ça va, Dave? Oui, ça va bien. Content de vous voir. Content que tu sois là, François, aussi, cette semaine. Content d'être là. Merci de me recevoir. Toujours le fun de jaser de hockey avec vous. Très content d'être là. Yes. Donc, je demandais un petit peu avant le show, là, je parlais à François. J'aimerais ça peut-être attendre là, qu'on en parle, que tout le monde soit dans le chat, là, mais ça a quand même été une semaine émotive pour beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a quand même une mauvaise nouvelle qu'on a eue là, dans les derniers jours. David Lacroix, donc, là, qui a eu... Il y a eu un communiqué là, qui a été émis là, par les éperviers de Sorel Tracy comme quoi que sa saison était terminée à cause qu'il avait eu un diagnostic de cancer. Donc, les gens qui sont dans le chat, là, on est avec vous autres, on est avec Dave, tout le monde, on est là. On pourrait peut-être commencer là, par peut-être des nouvelles, des petites nouvelles. Puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle là, tous ensemble. Puis si vous avez des histoires, là, pensez à ça tandis qu'on parle des nouvelles. C'était quand même aussi une journée importante dans la Ligue là, pour les signatures aussi de contrats. Pensez à des histoires là, sur l'hacker. Puis peut-être d'ici 2-3 minutes, là, on va se faire un petit talk là-dessus. Là. Oui. Donc, partager le podcast ouais, différents groupes par l'instant. En attendant, on va faire le résumé des nouvelles. Là. Il y a une signature hier qui est annoncée par Jonquière, Félix-Olivier Chouinard. Donc, un jeune défenseur qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue junior majeure du Québec, a joué 22 matchs l'année dernière également avec les Lions de Trois-Rivières. Donc, comme on le voit sur la photo, un ancien également des Saguenayens, donc connaît le bout, connaît la région. Dans le fond, Bob Desjardins, c'est assez simple, signature pour donner une chance aux kids, comme on dit, donner une chance aux jeunes, puis apporter de la profondeur en défensive. On le sait, on n'a jamais assez, un match au hockey, on peut perdre un, deux, trois joueurs facilement, donc c'est toujours bien d'avoir de la profondeur. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, c'est toujours... les défenseurs qui arrivent jeunes dans la Ligue nord-américaine, c'est une adaptation qui est quand même... un peu difficile, parce que le style de jeu est quand même différent. Il y a quand même beaucoup de talent, même si le jeu est un petit peu moins rapide, peut-être que dans d'autres ligues, il y a énormément de talent, donc il faut quand même réussir à contrer ces joueurs-là. Donc, puis c'est un petit peu plus physique aussi, donc on va voir comment qu'il va s'adapter. J'ai hâte de voir ses débuts avec Jonquière. Sinon, si on reste sur Jonquière, il y a une petite mise à jour des blessés. Bonne nouvelle, on commence par la bonne nouvelle. Philippe Paradis, qui est officiellement de retour, a joué son premier match samedi dernier à Jonquière contre les Bâtisseurs. même distribué déjà des solides coups d'épaule. Donc, il a l'air à 100%. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Marquis. Au niveau des hommes forts, là, Chris Cloutier, Hubert Poulin, Bob Desjardins semblait dire que c'est un retour imminent. Donc, en fin de semaine, il n'a pas donné de date exacte, là, mais il semblait dire que ça devrait être en fin de semaine, sinon plus tard la fin de semaine prochaine. Dans les moins bonnes nouvelles, il y a le capitaine Alexandre Picard. On a dit dans son cas là, que c'était une absence indéterminée et qu'il devra... Dans le hockey, on dit tout le temps là, un second avis là, du médecin. Donc, on devrait rencontrer des spécialistes, savoir l'étendue de sa blessure. J'imagine pour Jonquière, un joueur de la trempe de Picard,
rendu là, tu sais, s'il ne revient pas avant la fin de la saison régulière, je pense pas que c'est plus grave que ça. Là, on veut qu'il soit, je pense qu'on, dans son cas, on espère qu'il va être présent pour les séries, parce que c'est un joueur, on les compte sur notre main, les joueurs de la trempe Alexandre Picard là, dans la Ligue nord-américaine. Fait que c'est vraiment, c'est le capitaine aussi, fait que c'est vraiment un joueur important. Donc, voilà pour Alexandre Picard. Et Francis Véropol, mais ça va le dénouement va se savoir cette semaine. Donc, Bob a dit que la balle était dans son camp à lui. Donc, en fond, la date limite pour signer les joueurs, c'est aujourd'hui. On va savoir s'il a signé un contrat, j'imagine, d'un matin. Puis il doit jouer en fin de semaine s'il va être éligible pour les séries. Donc, on risque d'avoir la réponse très rapidement dans son cas à lui. Donc, petit segment Marquis de Jonquière. Pour commencer, il y avait ben des nouvelles des Marquis cette semaine. Ben, si je peux me permettre, David, je pense que... Ben oui, ben oui. Tu peux me couper, je parle beaucoup. Non, c'est correct. Mais tu as parlé du Hubert Poulin et de Chris Cloutier. Je sais qu'à Laval, on... T'sais, avec t'sais, ce qui a été annoncé avec le retour de Parker, de Derek Parker, qui supposé être, qui devrait être là vendredi, puis bon, possiblement Curtis Swanson aussi, qui va faire son arrivée avec les pétroliers. Je pense que les partisans seraient contents de voir Poulin et Cloutier s'amener, là, surtout, bon, t'sais, il manque certains joueurs à l'appel du côté des pétroliers. Fait que, je pense que ça va être, si c'est le cas vendredi soir là, au Colisée, ça va être, les partisans des pétroliers vont avoir un bon show, comme on dit. Ouais, ben je leur souhaite. En tout cas, je pense que, ouais, pour connaître les partisans des pétroliers, je pense que toi et moi, le savon qui serait quand même très déçu, là, qu'il n'y en ait pas au moins un des deux, mettons, qui soit de retour vendredi. On verra, ça va être à suivre, l'alignement que Jonquière va amener vendredi. Puis du côté pétrolier, par contre, faut pas penser trop loin parce qu'il y a un gros match sur la route également jeudi à Saint-Georges. Donc, un rare match du jeudi à Saint-Georges sur la route pour Laval. Donc, ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller parce qu'il va être important, ça, là, parce que, tu sais, la séquence de trois défaites qu'ils ont présentement, c'est pas inquiétant dans le sens où ils ont quand même une bonne avance au premier rang. C'est correct d'avoir ce genre de léthargie-là au milieu de saison et non pas à la fin quand c'est serré, tout ça. Mais il faut quand même commencer à penser à revenir à se rattraper un peu là, si on ne veut pas perdre le momentum qu'on a gagné un peu trop vite. Ouais. Je pense que les travailleurs ne sont pas en position précaire de perdre leur première position, mais mettons un autre week-end de deux défaites, là, on commencerait peut-être à se poser des questions. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, victoire, défaite en prolongation vendredi, bon, OK, fine. OK, fine, je veux dire, ça arrive. C'est quand même un point de ramasser tout ça, mais faut essayer de retrouver un peu le chemin de la victoire puis d'essayer de sortir parce que... Puis tu le dis, là, le match contre Saint-Georges jeudi, c'est contre Saint-Georges que cette séquence-là a commencé, donc c'est là que ça va être important d'essayer de se racheter un peu ou de se rattraper du côté de Laval. Ça va être un bon match jeudi soir, j'ai hâte de voir ça. Effectivement, puis tant qu'on est sur les pétroliers, il y a une nouvelle un peu toute fraîche, quasiment toute chaude sortie là, du four. Il risque d'avoir un nouveau joueur à Laval. Selon ce qu'on entend là, des journalistes qui suivent la Ligue de la Côte Est, puisque ça a été annoncé là, que Jonathan Joannette a quitté les Lions de Trois-Rivières aujourd'hui. Jonathan Joannette, qui était quand même un joueur qui était là depuis l'année passée, là, un des rares joueurs qui était un régulier à Trois-Rivières, puis qui a pas changé d'équipe, qui n'est pas parti en cours de route. Donc, a quitté les Lions, puis du côté là, des journalistes qui suivent l'équipe, on semble dire que c'est pour aller rejoindre l'équipe de Laval dans la Ligue nord-américaine, donc les pétroliers. Donc ça risque d'être à suivre. Toi, François, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée d'un Jonathan Joannette avec les pétroliers? Où est-ce qu'il fitterait dans l'équation, selon toi? Ben, je pense que, tu sais, comme attaquant, si je regarde l'alignement des pétroliers, c'est sûr que il y a quand même de la, il y a quand même déjà un peu de profondeur, mais je pense que je le connais pas 100% comme joueur là. Je connais son style de joueur, mais je pourrais pas te dire exactement, ouais, mais tu sais, ça m'aide quand même un joueur quand même assez robuste. Je pense que ça me semble être un joueur qui va probablement fitter là dans le style de jeu des pétroliers. J'ai hâte de voir ça. Puis tu dis pour aller rejoindre la Ligue, moi je pense qu'il
j'ai l'impression, puis je pense qu'on s'en parlait avant l'émission, plus l'impression qu'il va aller rejoindre Philippe Bureau-Blais. Parce que, tu sais, est-ce que le mot s'est passé? Ça reste à voir. Puis le but, c'est pas de faire l'analyse des Lions non plus, mais j'ai l'impression que les Lions commencent à perdre beaucoup de joueurs ces temps-ci. Je sais pas si c'est... En tout cas, on verra, ça peut peut-être juste être bon pour la Ligue nord-américaine rendue là. Mais ça va être intéressant. J'ai hâte de voir si on va le voir en fin de semaine ou si c'est le cas. Là, bon, je pense que c'est encore au stade de rumeur pour l'instant. Là, mais... Pour donner le crédit à la personne qui a écrit ça, c'est Mathieu Vachon là, qui est dans la région de Trois-Rivières. Je crois que c'est pour la Nouvelle-Liste qui a sorti. Puis tu sais. Si Jonathan Joannette veut terminer la saison à Laval puis aller jusqu'au bout, il faut qu'il joue en fin de semaine. Il faut qu'il joue son premier match d'ici vendredi. Ouais. Donc, il faut que techniquement, il ait signé son contrat Ligue nord-américaine avant minuit ce soir. Donc, ça risque d'être officiel. Si c'est officiel, ça semble l'être si on lit entre les lignes, mais si c'est officiel, on devrait le savoir quand même très rapidement. Mm-hmm. Donc, yes. Il y avait des plateaux aussi qui ont été atteints cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Donc, en fin de semaine, Ryan Sullivan, défenseur qui a réussi à atteindre le plateau des 200 matchs. Puis Ryan Sullivan, moi j'aimais beaucoup ça aller à Cornwall, là, dans le temps qu'il y avait une équipe à Cornwall. Puis Ryan Sullivan, je trouve que c'est fun parce que c'est le dernier des Mohicans, parce que c'est le seul joueur actif dans la Ligue nord-américaine présentement qui a le droit d'être actif dans la Ligue nord-américaine parce qu'il est rentré dans la Ligue par l'exemption que Cornwall avait pour aller chercher des joueurs de l'Ontario. Parce qu'on sait dans la Ligue, que les joueurs aient joué leur junior au Québec ou qu'ils proviennent du Québec. Mais Ryan Sullivan, c'est pas le cas. Jouer junior en Ontario, puis c'est un Ontarien. Donc, lui avait rentré dans la Ligue par l'exemption de Cornwall. Puis puisqu'il était déjà rentré dans la Ligue, évidemment, il peut rester. Donc, je trouve que c'est le fun de le voir... atteindre ce plateau-là. Puis également, tu sais, c'est aussi un défenseur qui, je pense, n'a pas joué beaucoup dans les dernières années, puisqu'il était plus un 6-7e défenseur, était également dans des équipes qui ne sont pas nécessairement près de chez lui. Donc, j'imagine qu'au niveau voyagement, il allait jouer quand ça lui adonnait, puisqu'il avait appartenu à Saint-Georges, à Jonquière. Même l'an dernier, appartenu à Rivière-du-Loup et pas aller jouer de match là-bas, mais avec l'opportunité de jouer plus proche de chez lui à Montcalm, puis d'être régulier, je pense qu'il est en train de prouver qu'il a sa place dans la Ligue. Puis c'est également un gros bonhomme. Là. On a vu ce qu'il a fait cette année pour défendre ses joueurs ou quand il a dû faire face à la musique. Donc, c'est un joueur qui fit dans le moule de la Ligue nord-américaine également, entre guillemets. Puis j'ai aimé ça aussi sur Instagram. Il y a plein de monde qui ont partagé là, le fait qu'il avait atteint les 200 matchs. Donc, c'était le fun à voir qu'il avait un bon fan club. puis l'autre plateau également, je vais le mentionner, Maxime Ouimet, là, lui, c'était 300 matchs, si je ne me trompe pas, dans la Ligue nord-américaine. Effectivement, 300 matchs, c'est pas rien. On le voit là, quand il était tout jeune sur la photo avec le caron aigué à Trois-Rivières. Donc un des défenseurs qui, lui aussi, dans le fond, rendu une mi-trentaine, mais livre encore la marchandise avec les éperviers. Les éperviers qui ont eu beaucoup de blessures en défensive cette saison, pas la défensive la plus profonde de la Ligue non plus, donc est en train de rendre encore une fois cette saison de très grands services aux éperviers. Donc, un autre beau plateau là, pour un autre joueur de la Ligue américaine, Maxime. Il y a beaucoup de plateaux ces temps-ci. Hein? Il y a Poulin aussi, je crois, qui a eu son centième point. Oui, ouais, c'est vrai. Un centième point, dont 57 buts, donc en 81 matchs. Donc, des belles statistiques. C'est un des jeunes. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais c'est un des gars qui pourrait être la tête d'affiche, une des têtes d'affiche de la Ligue pendant de nombreuses années, si jamais ça lui. Mm-hmm. À l'enchante de continuer son parcours dans la Ligue nord-américaine. Donc, c'est le fun de voir des jeunes s'établir dans la Ligue puis atteindre des plateaux quand même assez rapidement. Yes. Donc, il y avait aussi des soirées spéciales là, dans les prochains matchs. Peut-être Dave, si tu veux y aller. Yes. Donc, à Rivière-du-Loup, samedi. Donc, c'est la soirée hawaïenne. Donc, pour les fans de Rivière-du-Loup, si vous arrivez au match avec... un item vestimentaire de type hawaïen, j'imagine.
chemise hawaïenne, chapeau de paille. un item vestimentaire de tout hawaïen. Collier de fleurs. Ouais, collier de fleurs, effectivement. Exactement. Donc, peut-être même les petites fafrettes. Des jupes en paille, ouais. Des jupes en paille, mais... ben, ça, par-dessus les pantalons, c'est correct. Ouais, j'avoue. Mais en tout cas, ceux qui porteront quelque chose comme ça auront la chance de gagner un crédit voyage à Rivière-du-Loup. Donc, quand même une belle initiative. J'espère que ça va fonctionner puis que, en même temps, gagner un crédit voyage, ça coûte cher les voyages. Donc, je ne sais pas si c'est pas le montant nettement, mais c'est sûr que c'est un concours intéressant à participer. Puis sinon... Je suis quand même déçu que pour l'occasion, il n'y a pas de chandail spécial pour les 3L. Ouais, ça aurait été cool. Les 3L avec design hawaïen, là, ça aurait été cool. Mais... Ouais, ça aurait été cool. Puis à Sorel, vendredi, un match spécial pour la santé mentale. Ça va être commandité par la Traversée, qui est un organisme à Sorel-Tracy. Donc, porteront un chandail spécial et puis les fonds seront remis. Là, c'est un organisme aussi qui aide beaucoup pour la prévention du suicide. Donc, un chandail, ça va être spécial comme couleur pour les éperviers, puisque c'est un chandail jaune et bleu. Je dirais peut-être ça faire un parallèle avec les couleurs, peut-être les couleurs des Blues de Saint-Louis un peu. Ça va être intéressant de voir ça. C'est toujours le fun quand les équipes avoir des chandails spéciaux. Donc, pour les fans de Sorel Tracy, pourront miser sur les chandails après la rencontre. Puis, voilà, donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont des... Les 3L se sont rebrandés l'année passée, puis ont eu un chandail bleu, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arborent du bleu dans la Ligue américaine. Ça va faire... Il y a le match en rose que Denis Arsenault dit. Ouais. Là, il dit « Comment, là? Ouais, » Pour avoir des chandails avec les couleurs, là. peut-être... La dernière nouvelle, Dave? On va en parler là. Dans le fond, tu portes un magnifique chandail ce soir pour la cause. Donc, vraiment une triste nouvelle qu'on a appris la semaine dernière. Puis, tu sais à quel point ça peut être soudain, ce genre de choses-là. C'est vraiment triste, là. Oui, David Lacroix qui est malheureusement atteint du cancer. Puis, tu sais, c'est fou quand on y pense que... La fin de semaine avant, tu sais, je veux dire, là, deux fins de semaine, il jouait pour les éperviers, puis il s'était battu contre Dave Hamel, là, donc, tu sais, il était en pleine forme. Dans le fond, je sais pas si c'est lui qui a senti qu'il y avait de quoi qui clochait ou peu importe, mais visite au docteur, puis il apprend sur le coup qu'il a le cancer. On a appris un peu plus cette semaine là, que les éperviers ont été quand même, je pense que c'est dans le respect aussi pour David Lacroix, là. On n'avait pas donné trop de détails, mais Christian Deschênes qui a lancé un GoFundMe pour lui hier, puis en collaboration avec l'organisation des éperviers, évidemment. Je vais mettre le lien en ce moment même. Ouais, donc... La dernière fois que j'ai regardé, dans le fond, ils veulent atteindre 50 000 $. Il était déjà dépassé 10 000. La dernière fois que j'ai regardé, là, c'est en fin d'après-midi aujourd'hui. Dans le fond, on a appris que c'était déjà stage 4. Pour ceux qui ne connaissent pas stage 4, c'est quand même très, très, très avancé. Là. Ça veut dire que c'est répandu un peu partout dans le corps déjà. Puis, tu sais, de ce qu'on peut en comprendre, ce qui est offert ici au Québec, ça s'apparente un peu plus à des soins palliatifs que des traitements pour complètement guérir la maladie. Donc, sa chance, si on veut se donner une chance de battre, puis on sait David Lacroix, c'est un fier combattant, puis il va se battre jusqu'au bout. C'est d'essayer d'aller ailleurs dans le monde, parce qu'il y a peut-être des traitements plus avant-gardistes qui fonctionnent peut-être un peu plus. Donc, c'est sûr que c'est pas donné, malheureusement, ce genre de choses-là. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, là, c'est pour ça le GoFundMe. C'est pour que David Lacroix ait la chance là, de pouvoir aller essayer des traitements qui sont pas offerts ici, malheureusement, ailleurs. Mm-hmm. Voilà. Moi, c'est sûr que du côté des éperviers, tout le monde, tu sais, il peut pas être proche de l'équipe, là. Je veux dire, je côtoie David Lacroix depuis qu'il est à Sorel il est arrivé en 2015, je pense. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un joueur qui est incroyablement apprécié, tu sais, ses coéquipiers, des fans aussi, toujours là pour les fans. Puis, tu sais, c'est vraiment une triste nouvelle, là. C'est un match spécial là, à Sorel vendredi dernier. Là, il y avait toutes les pancartes, c'est vraiment beau à voir, mais en même temps,
C'était le fun de pouvoir s'abandonner un peu et de ne pas y penser pendant les trois heures que la game a duré, mais en même temps, on peut pas m'empêcher de dire que c'était un peu morose dans le fond du ton également, parce que c'est vraiment triste comme nouvelle, mais on va y envoyer le plus d'ondes positives possible, on va l'aider dans son GoFundMe, puis on va espérer de tout cœur qu'il réussisse à s'en sortir. Je veux dire, si on regarde les côtés un peu plus positifs de la chose, c'est un gars extrêmement en forme, David Lacroix est encore jeune, donc c'est plus facile de vaincre ce type de maladie-là quand notre corps est encore au sommet de sa forme que quand on est plus vieux, donc Moi, j'aimerais ça dire peut-être une petite histoire par rapport à, tu as dit, Dave, que David Lacroix, c'est un gars qui est extrêmement proche des fans et extrêmement généreux aussi. Là. Un petit peu plus tôt là, cette saison, il avait écrit un message là, comme quoi qu'il avait des blessures aux mains, puis il avait quand même joué des matchs parce que il voulait que les partisans aillent... Présenter à Laval. Ouais, c'est ça, c'est présenté, a voulu faire plaisir aux fans. T'sais, c'est quelqu'un qui fait plaisir à son monde. C'est un gars qui a le sentiment protecteur. T'sais, on l'a déjà eu en entrevue ici. C'est ça qu'il disait aussi. Au-delà du poste là, qu'il occupe dans l'équipe de hockey, dans la vie de tous les jours aussi, c'est quelqu'un qui prend soin des siens. Puis mon histoire, dans le fond, ben, comme vous voyez, j'ai peut-être le chandail de David Lacroix sur le dos, vous avez peut-être remarqué, mais c'est suite à un peu à l'histoire que j'aimerais vous conter. On a reçu l'année dernière David Lacroix au podcast, puis il a été extrêmement généreux, c'est là un peu que j'ai fait connaissance avec lui, là. Puis, on s'est écrit un petit peu comme ça, puis il voit le travail aussi qu'on a fait là, avec la Ligue. Puis quand que cet été, il a annoncé sa retraite, il m'avait écrit en premier pour me donner la nouvelle. Finalement, il avait écrit un message là, sur son wall, tout ça. Mais le fait qu'il ait pensé à moi pour me donner cette nouvelle-là, avec le travail qu'on fait, puis que... Ben, je pense que c'était une reconnaissance. Là. J'ai tellement été touché que j'avais vu qu'il y avait un chandail qui était sur eBay en vente à ce moment-là, puis j'étais allé tout de suite l'acheter. Puis, tu sais, je sais que des chandails, des jerseys, c'est comme un peu, mettons, Mike Dowd, là, je pense, je ne sais pas combien il y a de jerseys chez eux, là. Au moins 200, 300, puis ça coûte cher. T'sais, c'est un peu un loisir qui coûte cher, des jerseys. Puis moi, ben, j'en ai un. Puis, j'ai acheté celle-là, tu sais. Pourquoi? Pour lui, à cause de qu'est-ce qu'il avait fait. Là, avec qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, puis, tu sais, la personne, ben, tu sais, je suis fier de le porter. Je le porte fièrement ce soir avec vous pour faire ce podcast-là. Puis, je pense que c'est le jersey de quand il est arrivé à Sorel, parce que les pubs qu'il avait, ses épaulettes, qui avaient changé l'année suivante. Je pense que c'était son jersey de la première année qui était assez... Je pense que c'est 27 qu'il portait même. Si ouais, 27. C'est 27 ans qu'il y en a un, ouais. Moi, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer encore. Ça n'a juste pas donné. Avant les matchs, je suis souvent un peu occupé. Mais peut-être tout le monde qui me parlait qu'ils l'ont rencontré, ça rencontre un peu ce que vous me dites. Là, c'est comme quoi que c'est une personne très, très généreuse, très gentille. Puis tout le monde qui gravite autour de la Ligue nord-américaine, on est quand même une petite famille d'un certain sens. Là. C'est toujours, c'est jamais des nouvelles fun à recevoir. Puis, regarde, on y envoie nos pensées positives, puis on lui souhaite bonne chance. Puis, je sais pas quoi d'autre dire. Là, c'est... Ouais. Okay. On lance des ondes positives à la cœur pour la suite des choses. Puis les gens, allez faire votre don. Là. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Fait que dans les commentaires, vous allez voir le lien est là. Quand même, déjà 10 000, ça fait quoi, 24 heures à peu près? Là, qu'il est d'aller voir, c'est rendu 11. Ouais. Wow. Donnez ce que vous pouvez. Là, on le sait, la situation économique n'est pas...
Et ça, avec, c'est pas super ces temps-ci. Donc, c'est sûr que il y a pas, si c'est 1 $, c'est 2 $, c'est 3 $, y a pas, c'est l'intention qui compte aussi. Il n'y a pas de montant trop petit non plus. Yes. Super. Donc, on va essayer de se remettre un petit peu le sourire, les boys, pour notre invité. On pourrait peut-être y aller avec notre invité, les boys. Wow, mais avec notre Oui. invité, c'est sûr que ouais, c'est pas la nouvelle la plus facile, mais on va essayer de rendre ça divertissant, justement. C'est ça qu'on fait, on est là pour divertir le monde. La Ligue nord-américaine, c'est un divertissement. Donc, let's go. Allons-y. Salut Tristan, ton son est fermé par exemple. On a tout. Salut M'entendez? Tristan. Ouais, Ouais. c'est bon, Désolé, parfait. on t'avait dit 8 h 15, on était un petit peu plus long, mais il y avait des grosses nouvelles, donc N'ai pas le stress, je comprends ça. ouais. Comment Alors, ça va? donc, avec Tristan Côté, Cazenave des 3L de Rivière-du-Loup. Gardien, nouveau gardien de cette année. Ça va, Tristan? Ça va bien, Buzz? Ben ouais. Oui, comment va l'adaptation à Rivière-du-Loup? Comment est-ce que tu as été accueilli là-bas, arrivé en début de saison comme ça? Sincèrement, écoute, ça va super bien, j'ai rien à dire. Moi, j'aime ça dire aux gars, j'ai été accueilli comme un king. Parce que sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas quoi m'attendre aussi au début. Et puis, écoute, j'ai jamais vu ça, une belle ambiance comme ça dans une chambre de hockey. C'est juste positif. Tout le monde est super gentil. Il n'y a pas personne qui se prend pour une autre personne. T'sais. Puis je suis super content. T'sais. Puis il y a beaucoup de gars qui sont plus vieux. Puis sincèrement, je trouve pas que ça paraisse dans l'ambiance de l'équipe. À date, moi, je suis heureusement surpris. Y a-tu déjà des gars à qui tu t'entends mieux que d'autres là-bas? Tu parles Ou que tu Ouais, connaissais. ben Ouais, c'est ben ça. plus d'affinité, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que je connaissais Anthony Gagnon puis William Cyr aussi. Parce que, tu sais, Gagnon, moi, j'avais joué cuit à Reading l'an passé dans East Coast et à Québec. Tu sais, Will Cyr, je jouais contre lui mes 4 ans junior, tout. Fait que j'y connaissais déjà. Mais, tu sais, sincèrement, là, les gars, mettons, tu sais, de Montréal, quand on monte avec la vanette ou le transit, tout, tu sais, c'est sûr que on se rapproche un peu plus parce qu'on passe de longues heures ensemble. Puis, si on s'entend du cri dis-lui, c'est pas à porte non plus pour un gars de Montréal. Qu'est-ce qui se passe dans la net là? Est-ce qu'il y a des petits des jeux de cartes, des affaires comme ça? Pas grand chose, mais tu sais, mettons, à chaque fois qu'on monte, il y en a tout le temps deux ou trois qui vont dormir. Fait que ça, en montant, souvent, c'est plus relax, tu sais, mais en revenant, souvent, tu sais, c'est des histoires, tu sais, on se compte, mettons, là, un road trip que j'avais fait quand j'étais dans East Coast ou quand j'étais junior majeur, tout ça, on se compte des affaires, on parle de dans la liste. Ça ressemble pas mal à ça, il n'y a pas de jeu de cartes par contre. Ah, ok. Je vais dire c'est qui gagne aux cartes, mais des histoires, on aime ça, des histoires. Ouais. Ben écoute, je sais pas, mais ben, dans East Coast, pour moi, gagner aux cartes. Fait que d'après moi, c'est une bonne affaire qu'on joue pas. C'est bon, ça. On va parler un petit peu de ta carrière, Tristan. On se connaît un petit peu du temps du passage des Grenadiers de Châteauguay. Ouais. Mais par la suite, tu as eu une carrière junior quand même bien remplie. Tu as joué avec les Tigres, avec les Remparts ta dernière année de 20 ans. Tu as quand même eu des entraîneurs notables, Louis Robitaille, Patrick Roy. Parle-nous un peu de ton parcours junior dans son ensemble. Écoute, parcours junior rempli d'émotions, je te dirais. C'est surtout un 3 ans et demi à Victo avec, tu sais, moi, la première année, j'étais arrivé, c'est la première année à Louis, c'est la première année à Kevin Cloutier aussi. Bon, il avait changé, je pense qu'il avait changé l'organisation au complet, là, tu sais. Moi, j'avais été drafté par Éric Veilleux. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Fait que ça avait commencé de même. Puis, écoute, j'ai comme grandi dans l'organisation, dans le changement de personnel, tout ça. Puis écoute, j'ai passé 3 années et demie superbe à Victo, ma famille de pension. C'était incroyable. Tu sais, c'était comme ma deuxième famille. Et puis côté hockey avec les boys, j'ai eu la chance de jouer avec des Maxime Comtois, tu sais, des Vitaly Abramov, tout ça. J'en passe là. Mais Alex Goulet aussi, ma première année, qui était un de mes 20 ans qui jouait à Thetford. Fait que tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer plein de belles personnes. Puis de vivre des moments, tu sais, comme on s'est rendu en demi-finale à ma deuxième année, en 2017-2018, on s'est rendu en demi-finale en Corée d'Or, tout ça.
Fait que, tu sais, ça, c'était cool. Après ça, on a passé une première ronde, on a gagné ça en un match en 7, en playoff. On a battu Val d'Or, tu sais, après ça. C'est super le fun. Puis par la suite, après ça, j'ai fini à Québec. T'es quoi demander de mieux pour finir ta carrière junior, tu sais. Je suis gardien de but, puis c'est mon entraîneur, c'était Pat. J'avais une super bonne relation avec lui, tu sais. J'ai rien à dire, là. Sincèrement, c'est l'expérience d'une vie, ça. Deux petites questions par rapport à ton parcours junior. Justement, tu as mentionné vite, vite là, que tu as gagné une ronde en 7 là, en 2019. C'était pas juste en 7, c'était en overtime en plus. Gagner game ouais. 7. Raconte-nous un peu l'histoire de ce match-là puis le feeling de gagner un match 7 en overtime. C'est un peu le. Même si c'est la première ronde, c'est un peu le rêve de gagner un match 7 en overtime. Ouais, c'est ça. Et écoute, en plus, là, je te dirais, ce match-là, on a commencé la série, puis ça, c'était une série 2-3-2, parce que c'était Val d'Or contre Victo. C'était comme passé 800 km, je pense. Fait qu'on a commencé deux games à Victo, on avait gagné. Puis ça allait super bien, on jouait en confiance. Puis là, après ça, tu sais, nous autres, on est arrivé là-bas. Là, c'était quoi? C'était game 3. Oh, on a perdu. Après ça, game 3, on l'a perdu. Tu sais, je pense que c'était une game serrée. On l'a perdu en overtime, celle-là aussi. Après ça, game 4, on l'a reperdu à Val-d'Or encore. Puis là, après ça, je pense que ces deux games-là, il n'y avait pas personne. Après ça, la game 5, c'était un vendredi soir. Là, l'aréna était pleine. Puis écoute, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais la puck, elle bandissait partout. Puis elle bandissait pas de notre bord. On a perdu cette game-là. Fait que là, après ça, on est revenu à Victo pour game 6 et 7. On perdait 3-2. On a gagné le match 6. Puis là, après ça, le match 7, là, on savait que ça allait être une guerre de tranchées. Puis je pense qu'on a commencé à game. On met peut-être 2-1, 3-1, je pense. Puis après ça, on s'est fait remonter en troisième. Et on fait ça 3-3, je pense. Puis après ça, on est allé en overtime, tout ça. Puis là, c'est Oli Mathieu, justement, qu'on a signé cette année, les 3L. C'est lui qui avait le but gagnant, tout ça, contre son ancienne équipe parce que lui, jouait à Val-d'Or. Et écoute, je me souviens, il avait scoré, j'étais pas sûr, tu sais, moi, j'étais à l'autre bout de la glace. J'ai juste entendu les partisans commencer à crier avec les serviettes blanches à Victo, tu sais, que dans le temps, avec des airs et tout ça. Écoute, c'était un feeling, c'était surréel, là. C'était vraiment, c'est quelque chose que tu vis pas souvent, là. Puis, j'avais checké le box score, il me semble, c'était genre 35 secondes. T'avais-tu le temps de, je veux dire, t'avais-tu réalisé que la prolongation t'a commencé ou, tu sais, ça peut être weird un peu? Ben c'est ça, c'était bizarre un peu parce que là, je pense qu'il était rentré dans notre zone, puis peut-être une shot sur la pad ou qu'il a pogné la pad d'un de mes defs, après ça on est reparti, puis direct on a scoré. Mais c'est ça, j'ai vraiment pas pensé, puis moi je suis juste parti avec les gars, puis après ça j'ai dit « Colin ». J'ai dit « Je suis quand même chanceux, j'ai même pas eu besoin de faire un save à rien, puis les gars l'ont mis dedans ». Ouais. J'ai gagné en 7 en overtime, mais j'ai pas eu le stress de l'overtime vraiment, tu sais. Toi, c'est une bonne chose, j'imagine, ou t'es quand même quelqu'un de calme, que t'aurais-tu aimé ça faire une coupe de save en overtime, ou t'aimes mieux que ça soit réglé? J'aurais aimé ça, tu sais, mais c'est sûr que, tu sais, en overtime, là, c'était après la 7e game, là, j'étais quand même brûlé, fait que c'est sûr que plus ça avançait, tu sais, plus, tu sais, moi, j'avais d'énergie, tu sais, mais mettons, là, en fin de première période d'overtime, ça aurait été juste parfait, tu sais, question de faire une coupe de save, tout ça. Puis l'autre question que j'avais, justement, tu as parlé de l'expérience d'une vie, là, d'avoir Patrick Roy comme coach. Je voulais savoir, en tant que gardien, c'est quoi le meilleur conseil qu'il t'a donné? Ben écoute, ça va peut-être. C'est quand même vraiment personnalisé à mon style de gardien de but qu'il m'avait dit. Mais moi, dans le temps, tu sais, à Victo, avec Louis Robitaille, c'est un système quand même extrêmement défensif. Fait que tu sais, souvent, quand c'est les deux contre un, on joue vraiment que c'était le défenseur qui jouait la passe. Fait que, tu sais, moi, je pouvais challenger encore plus sur le lanceur. Puis quand je suis arrivé à Québec, j'ai les passes, des fois, tu sais, la passe a passé, puis là, j'étais comme, ah, tu sais, merde. Fait que là, tu sais, je jouais pas nécessairement tout le temps. Puis là, Pat était venu me voir, puis il m'avait dit, écoute, Chris, si tu veux faire le saut chez les professionnels, il dit, t'as le talent pour tout ça, mais il dit, il va falloir que tu adaptes ta façon de garder les buts, parce qu'il dit, de nos jours, c'est juste ça, des passes, ça et tout ça. Fait qu'il dit, si tu joues jamais les passes, puis tu as le temps de lancer, tu vas tout le temps te faire battre. Puis il dit, à ce niveau-là, les gardiens, il faut qu'ils fassent l'arrêt sur ces jeux-là. Fait qu'à partir de là, j'avais commencé à travailler là-dessus, puis comme de fait, quand j'étais arrivé dans la East Coast, j'ai eu la chance de passer dans les Games américaines aussi, j'ai fait Colin, et Pat, il avait raison, tu sais. C'est vraiment là, puis la coche, c'est vraiment quelque chose. Fait que ça, j'ai tout le temps été reconnaissant pour ça. Ouais, ça me fait rire que tu mentionnes ça, parce que je sais pas si c'était en fin de semaine passée ou l'autre d'avant, tu en as fait un justement sur un two-on-one, l'arrêt spectaculaire de la mitaine. Ouais, contre Laval. Ouais. Ouais. Mais c'est en plein pas, ça. Ouais. Mais vas-y, François. J'allais juste te demander vite, vite.
c'est comment quand tu apprends que tu as été changé au Rempart? Je veux dire, là, tu sais, ça va bien avec Victoriaville, tout ça. Puis là, maintenant, tu reçois l'appel. Bon, tu t'en vas jouer pour une autre équipe, mais en plus, tu vas jouer avec Patrick Roy. C'est comment qu'on reçoit une nouvelle comme ça? Ben écoute, ça a quand même été un drôle, ça a quand même été spécial comme situation. Parce que je savais un peu ce qui s'en venait, l'échange, tout ça. Et puis, c'était comme le dernier match avant Noël, avant notre pause de Noël. J'étais avec Victoriaville pour jouer vendredi soir à Rimouski. Puis c'est notre dernier match. Fait que là, puis c'est moi qui goulais tout. Puis, fait que là, moi, on prend le bus la journée même, mettons à midi. Fait que là, on part. Après ça, on arrive là-bas. J'arrive à l'aréna, là, je fais mon activation, tout. Puis là, il y avait une rumeur qui était sortie dans l'autobus comme quoi j'étais échangé à Québec. Et là, moi, je dis, à la limite, si je suis échangé, ils vont me dire après la game, tu sais, tout. Je focus sur ma game, puis après ça, ils m'ont dealé avec ça. Et là, t'avais l'autre goaler, je pense que c'était Nicolas Tubise qui était là, puis lui, il commençait à dire au monde, ah, je goal, ils m'ont dit que je goalais, mais là, je dis, tu sais, ils diraient pas ça s'ils n'ont pas dit ça, tu sais. Fait que là, je dis, qu'est-ce qui se passe, là? Je dis, là, d'après moi, je suis vraiment échangé, là. fait que là, finalement, mon coach est goaler, c'était Maxime Joël, il me dit, fais ton activation, tout. Il dit, puis whatever, finalement, je pense que c'était Louis, il m'a ramené dans le bureau, tout, il m'avait dit, tu goaleras pas en soir. Là, j'ai comme peut-être un plus 1 égale 2, tu sais. Je dis bon. Fait que là, je me suis assis sur le banc. Après ça, après ça, après la game, je suis rentré dans le bureau. Là, Louis m'a parlé. Il m'a serré dans ses bras, tout. Il m'a dit bon, c'est plate, tu sais. Ça fait 3 années qu'on est ensemble, tout. Puis après ça, là, je suis sorti de la chambre. Puis l'affaire que je savais pas, c'est que Québec joue à Rimouski le lendemain. Fait que tu refais pas le voyage, t'es bien. Mais c'est ça. Mais moi, j'avais rien amené. J'avais pas de charge de téléphone. J'avais pas rien. là, j'avais la cité ADG des Remparts, justement, qui m'attendait là. Fait que là, après, ils m'ont emmené manger. On est allé manger. Là, je suis allé à l'hôtel. Fait que là, je dormais à l'hôtel. Puis j'ai attendu que l'équipe arrive le lendemain. Puis c'est moi qui ai gaulé le lendemain. Pat est arrivé, il m'a dit, c'est un gardien de 20 ans. Il dit, je te veux pour ton expérience, blabla. Puis je pense que ça allait pas bien, leur gardien qui était là dans le temps. Fait que les vieux sont un vent de fraîcheur, tout ça, puis il m'a dit, gêne-toi pour les brosser un peu. J'avais dit, OK, ça part direct, là, j'aime ça. Ouais. Le pire, là, l'année passée, quand on avait ça au podcast, puis on t'avait posé la question un peu, puis tu nous l'avais dit que Patrick Roy, dans le fond, là, tout le monde parle que, tu sais, il y a pas la grande gueule, mais tu sais, il pète les plombs, c'est un passionné, mais tu avais dit que c'était un gars que tu étais déconcerté par son calme. Oui. Ouais, c'est extrêmement calme, mais je te dirais, c'est extrêmement fair. Je veux dire, s'il y a une coche à péter, il gênera pas, puis il va péter, tu sais. Mm-hmm. Mais il y a jamais une fois, tu sais, que j'ai senti qu'il faisait juste péter les plombs parce qu'il était stressé ou parce qu'il paniquait ou, tu sais, qu'il commençait à crier ou lever le ton à cause de ça, tu sais. Là, avec les officiels, ça, c'est une autre affaire, là, par contre. ça, je sais pas, mais tu sais, envers ses joueurs, tu sais, puis tout ça, je dis rarement, tu sais. Il y a une fois. Mais tu sais, on venait de perdre 11-2 sur Sportsnet contre Rimouski, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'on le méritait, tu sais. Fait que c'est ça. C'est calculé quand il le fait. Ouais, c'est ça. 11-2, j'imagine que tu avais sûrement goalé dans cette game-là. C'est pas juste un goaler qui avait laissé le but, j'imagine. Ben, moi, j'avais commencé en game, puis je pense que j'avais donné 3 ou 4 buts en première période sur comme 20 ou 25 lancés, d'enfant la même. Ok, ouais, wow, c'est pas si. Non, c'était pas si pire, mais tu sais, justement, ce que j'aimais de Pat, c'est que Pat, lui, il venait me voir, puis il me disait, je vais mettre des patines dans le net, il dit, c'est pas de ta faute. Ouais, faut être le club. Exactement, tu sais. Puis il y avait une fois ou deux qui étaient venus me voir, mettons, il avait pris un time-out. Puis il m'a parlé juste à moi. Puis il dit, écoute, c'est zéro de ta faute. Il dit, veux-tu que je te change? C'est toi qui goal demain, no matter what. Il dit, c'est toi qui décide. Fait que tu es sûr, tu sais. Je veux dire, oui, j'avais 20 ans, tu sais, mais à 20 ans, tu sais, dans ton expérience, OK, ça arrive pas souvent de s'entendre un coach te dire ça, tu sais, vraiment de prendre le temps de venir voir son gardien de but, puis tu sais, de dire ça. Donc, c'est un ancien gardien de but. Fait que je pense que c'est pour ça aussi, là, mais. Ouais. Fait que ça aussi, c'est une partie que lui, j'avais trouvé extrêmement faible et j'avais aimé, tu sais. Il sait c'est quoi le feeling. Je pense qu'il aurait aimé ça, lui, que quelqu'un vienne le voir pour lui parler. Exactement. Dans un match assez célèbre. Un certain soir de décembre 95. Hey boy. Yeah. Tristan, t'as aussi déjà fait des camps de la NHL? Ouais, j'ai
et des points de pesée, tout ça. Donc, j'ai fait le camp de développement avec le camp des recrues, tout ça. Je ne sais plus en quelle année, par contre. Enfin, ça commence à faire longtemps, là. Peux-tu te vanter d'avoir fait un arrêt sur Sidney Crosby ou Evgeny Malkin d'un match intra-équipe ou d'une affaire comme ça? Non, moi, j'avais c'était au camp des recrues, moi. OK. J'avais c'était au camp des recrues. Et puis, ouais, c'est ça. J'étais à une journée. Ah, ouais. Ouais, ça, je pense que tu nous avais dit que c'était comme le premier match hors concours le lendemain, puis t'avais été coupé la journée d'avant, quelque chose de même. Ouais, ben, dans le fond, c'est parce que c'était un tournoi des recrues. Puis là, après ça, ce tournoi des recrues-là, dans le fond, c'est tous les gars qui sont professionnels. Les gars college sont pas là. Mm-hmm. Moi, j'étais comme un des seuls joueurs qui n'était pas signé ou qui n'était pas repêché. Fait que là, comme tous les gars qui n'étaient pas repêchés ou pas signés, ils ont tout release. Puis là, c'était le main camp qui startait le lendemain, tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, super d'expérience quand même. Là. Si on regarde un peu là, l'année passée, quand on s'était parlé, tu avais commencé l'année avec l'UQTR. Ben, l'année de COVID, tu étais pour l'UQTR, mais tu n'as pas joué de game. Ouais, l'autre, l'année d'après, tu as joué 4 games, puis tu as commencé là. Puis là, après ça, tu voulais jouer professionnel. C'était ça ton plan. Tu as été à Reading, Wilkes-Barre. Ouais. Là, j'ai vu, ben, on s'en est parlé un peu avant le show, mais SPHL aussi. Mais tu sais, tu t'es promené pas mal. Ça a dû être un peu une année infernale. Ben. Je me suis promené quand même pas mal. Mais c'était pas. C'était tout pour sur une demi-saison. Oui, je me suis promené, mais c'était pas. Je voulais vraiment l'essayer cette année-là. Puis j'ai dit, si je joue pas professionnel, j'ai nulle part réellement où jouer. Fait que, mais oui, c'est sûr que en partant de l'UQTR, j'étais dans East Coast. Mais la chance que j'ai eue, c'est que Wilkes-Barre était collé sur Reading. C'était comme 2 heures de voiture. Okay. Fait que là, j'étais là-bas. Puis après ça, j'étais revenu à Montréal. J'avais signé un deuxième PTO avec Wilkes-Barre. Puis après ça, c'est là que j'avais plus rien. T'sais. Puis c'était comme la fin de saison avec les playoffs qui s'avançaient. Fait que là, mon agent voulait que j'ajoute des games. Mm-hmm. Fait que j'avais Knoxville qui était la meilleure équipe dans SPHL qui m'avait appelé tout ça. Puis j'étais allé là jouer 2 matchs. Mm-hmm. Puis pour la petite histoire aussi, quand tu avais reçu l'année passée. C'est Alex Dorio là, qui était ton. T'es avec toi dans la chambre d'hôtel, qui était l'autre gardien. Finalement, j'ai regardé tes stats, t'avais pas gardé de but, mais on t'avait conseillé, tu sais, peut-être pendant son sommeil, si tu peux le blesser, tu pourrais peut-être jouer une game. Ça s'est pas passé finalement. Là. Il s'en serait douté d'après moi. Là. Il goulait tellement bien. Là, je pense que. Pendant 10 il a gaulé, je pense, peut-être 7-8 games de suite, puis il avait une moyenne de 2. Il avait une moyenne de 2, puis il y avait peut-être 1-2 défaites. Mais, les Marlies étaient venus à la maison, puis on les avait plantés 2 games, c'est comme 5-1, puis un 4-2, genre. Mm-hmm. Fait que, j'étais content pour lui aussi, parce que, Alex, justement, quand je suis allé à mon camp, c'était le seul Québécois que je connaissais. Puis c'est lui qui m'a pris son aile, c'est lui qui m'a montré l'organisation, tout ça, parce que lui, il avait fait la même affaire que moi. Il avait été invité, sauf que lui avait signé l'année avant. Mm-hmm. Fait que moi, il performait, puis j'étais super content pour lui. J'étais juste content d'être là. Mm-hmm. Par rapport à ça, parce que tu sais, quand on regarde ton année dernière, puis même ton parcours junior, t'es un gardien. En plus, tu as la shape d'un gardien pro, là, on le sait, les équipes qui aiment ça, les gardiens qui ont des bonnes shapes de nos jours. Là. C'est rare qu'on voit les gardiens dans le national en bas de pied. Mais tu sais, tu arrives à Reading, ta première game, tu fais un jeu blanc, tu fais un shutout. Après ça, tu sais, ça marche pas trop. Tu nous racontes, tu te ramasses dans la SPHL, tu goal, tu laisses 3 buts en 2 games à peu près, ou une affaire de même. Ouais, ça. Puis ensuite de ça, finalement, tu m'avais dit que les deux goalers revenaient de la East Coast dans SPHL, fait que tu n'avais comme pas trop de place. T'as-tu un peu comme été désenchanté du hockey professionnel à travers ces expériences-là? Parce que quand on regarde ton parcours, tu as livré la marchandise partout où tu es passé, mais ils t'ont jamais comme laissé ta chance, disons. Puis c'est plate un peu, tu sais, comme un peu, même Wilkes-Barre, tu sais, le gars, il arrive, il gosse sa tête, tu sais, t'as même pas la chance de te faire valoir là, non plus.
Comment est-ce que tu as vécu ça? Ben écoute, sincèrement, là, mais c'est en plein ça, je me suis juste senti comme avec aucun pouvoir, aucun contrôle. Je me suis juste senti comme à chaque fois où je passais, c'était juste des bons commentaires, c'était tout le temps t'es de calibre, t'es capable de gauler, t'es capable de gauler, mais j'ai pas le choix, faut que je te laisse aller. Je suis désolé, il dit c'était tout le temps, je vais appeler, je vais faire des appels, mais je sais pas, écoute. Puis, tu sais, quand ça arrive, tu sais, l'an passé, c'est une année quand même spéciale. Écoutez, tu sais, je voyais plein d'autres gardiens qui se faisaient bouger, qui se faisaient tasser, mais là, je me disais à chaque fois, tu sais, moi, je m'étais fait release de Reading juste parce que eux autres, quand j'avais été release de la A, ils étaient au Newfoundland. Puis, il n'y avait pas de billet d'avion pour moi parce qu'il restait comme 2 jours au voyage. Mais là, entre-temps, il y avait un défenseur qui s'était fait send-down de la Ligue américaine. Puis les autres avec leur roster, tout ça, il fallait qu'ils fassent un roster move, il fallait qu'ils enlèvent une personne. Mais moi, j'étais le seul joueur qui était sur l'active roster à Reading parce que je venais de revenir de la Ligue américaine. J'ai même pas eu le temps de faire une pratique, j'ai même pas eu le temps de dire salut aux boys, j'ai pas revu personne, je me suis fait appeler. Puis ça a été un vendredi matin à 10h, il disait salut, il dit excuse-moi, il dit faut que je te libère, j'ai un def qui est descendu de la Ligue américaine, il dit prends ton temps de partir, il dit merci pour tout, bonne journée. Et c'est, l'appel a duré 50 secondes. Parce que moi, ce qui m'a désemparé le plus, c'est je fais un blanc, puis 2 semaines après, je me fais call-up dans la Ligue américaine. Puis là, j'ai juste des bons commentaires, bon feedback. Après ça, là, je me fais release de la Ligue américaine, release de la East Coast. Là, je comprends non, pour c'est... eux. Puis après ça, entre-temps, mon agent, je suis pas capable de signer quelque part, pas capable de rien trouver. Là. Est-ce que je suis mauvais? Y a-tu quelque chose? Là, tu commences à te poser des questions. Là, après ça, là je reviens à Montréal. Puis là, c'est ça. C'est là que je suis parti dans SPHL. Là, j'ai fait mes 2 games. Là. J'ai joué un 95-925, tout ça. Et puis, une semaine après, je suis resté là une semaine. Une semaine, il dit, ah, les gourous, ils reviennent. Il dit, je peux rien faire, désolé. Là, j'en avais ma claque. Par contre, là j'ai dit, ah, je retournerai pas jouer dans SPHL, puis en plus c'était 250$ semaine. Moi, c'était pas quelque chose dans ma réalité à moi que tu sais, je peux faire sur du long terme. Je dis, moi, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'étais revenu à Montréal, puis moi, après, je fais mon bac en finance. Puis là, je garde me concentrer sur l'école pour la fin de l'année, puis j'ai dit, c'est on checkera. Puis 2 semaines après, Wilkes-Barre m'avait rappelé un vendredi soir pour aller remplacer à Laval. Fait que là, j'étais revenu dans la Ligue américaine. C'est ça. La SPHL, la Ligue américaine. Ah, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Écoute, pas de contrôle. Puis j'ai juste compris que quand t'es tout ce que tu peux pas contrôler, tu te laisses aller. Puis pas te fâcher avec ça non plus. Mais tu sais, ce que je me suis dit, ce que j'ai vraiment réalisé en fin de compte, c'est juste si t'as pas de contrôle. Pour un gardien de but, si t'as pas un contrat. De la Ligue américaine ou un entry level, ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est comment la SPHL? Parce que, tu sais, on entend souvent le nom parler. Puis, tu sais, dans l'échiquier du hockey, tu sais, ça se trouve à peu près au même. C'est en bas de la East Coast, ça se trouve être quasiment à peu près au même niveau que la Ligue nord-américaine. Dans le sens où, tu sais, c'est juste en dessous de la East Coast. Comment? C'est quoi la. Un, comment t'as trouvé ça? Puis c'est quoi la différence entre. Je veux dire que la Ligue nord-américaine aussi, c'est plus fort que la East Coast League. Ben oui, non, mais on se comprend, là, c'est pas ça que je veux dire, mais en termes de la façon que c'est vu, tu sais, en fait, en termes de la façon que les. Tu sais, en dehors. En tout cas, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, là, mais c'est quoi la différence entre les deux ligues que tu vois? Entre la LNH et la SPHL? Ouais. Mais ben, tu sais, c'est sûr que le niveau, ils pratiquent à tous les jours. Fait que ça, c'est sûr que tu sais, l'exécution, tout ça, est plus constante. Mais, t'as pas. Écoute, moi, personnellement, de mon humble avis, tu sais, moi, je sais pas si c'est parce que c'est les échelons que j'ai passés, là, mais tu sais, j'arrivais dans la Ligue américaine. La SPHL, sincèrement, j'ai pas été impressionné. J'ai pas été impressionné, puis je te dirais que la LNH, tu sais, je trouve ça meilleur, tu sais. T'as pas de Yannick Tiffu dans la SPHL, tu sais. Ça sent être méchant ou. Non. Que, tu sais, pour un gardien de but, tu sais,
tu sais, mettons, je jouais mes matchs, puis je savais que j'en allais pas plus qu'un ou deux, là. Ouais. Fait que, mais là, tu sais, j'arrive à l'NH, puis je me sens pas comme ça non plus. Mais tu sais, c'est sûr que ça joue plus fermé avec un système plus... plus serré, si on peut dire, là. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça. Mais j'ai plus fait le saut en arrivant dans la LNEH que dans la SPHL. Okay. Oh, c'est confirmé. Ouais. Tristan Côté-Cazenave dit la Ligue nord-américaine, c'est la meilleure. Ouais. Ouais, là, je comprends la comparaison avec la East Coast, mais là, la SPHL, il ne faut pas charrier non plus. Non, c'est ça. Mais si on regarde là, après cet été, tu as été repêché là, à la base par les Pétroliers du Nord. Ouais. Puis là, finalement, tu as fait tes débuts plus tard, un petit peu plus tard avec les 3L. À ce moment-là, là, je pense, ben, je ne sais pas, peut-être dans le monde de la Ligue nord-américaine, les gens se parlaient, puis c'était peut-être déjà planifié que ton but, c'était venir dans la Ligue. Mais à la base, là, c'était pourquoi ton choix? Qu'est-ce qui motivait ton choix de venir jouer dans la Ligue? Ben moi, c'est sincèrement, c'est vraiment à cause de mon école. C'est là, à cause de comment mon l'an passé pour aussi dans le professionnel, j'ai dit je pourrais jamais, mettons, signer un contrat qui va vraiment m'intéresser sans retourner dans cet enfer-là de la East Coast puis d'avoir aucune stabilité, de rien avoir de concret, tu sais. Puis moi, je suis à la moitié de mon bac, là, présentement, mon bac en finance. Et puis là, je commençais à staller. Tu sais, oui, je faisais mes cours, mais tu sais, je faisais peut-être 3 cours session. Mm. Fait que là, je commençais à staller. Puis là, tu sais, tu sais pas trop ce que tu t'en vas. Là, je commençais à vouloir... Je voulais vraiment de la stabilité, de un. Et puis de deux, après ça, je voulais pouvoir commencer à m'épanouir dans quelque chose que j'aime vraiment, tu sais. C'était-tu à quelle université que t'allais? Ben moi, j'étais à l'UQTR. Et puis, quand j'ai fait le saut professionnel, il a fallu que je transitionne vers la TELUC. Ça, okay. C'est une université complètement à distance. Mm-hmm. Et puis, j'avais pas le choix parce que, dans le fond, l'UQTR ne fournissait pas des cours à distance pour le bac complet. OK. Question dans le chat qui peut faire un peu un lien. Qu'est-ce qu'on parle, là? Denis Arsenault qui demande. C'est un peu une question que j'avais aussi. Comment tu t'adaptes dans la Ligue nord-américaine? Puis un peu, moi, ma question, c'était un peu, c'est quoi la préparation d'un gardien dans la Ligue nord-américaine? Dans le fond, comment est-ce que tu te prépares dans tes matchs présentement? Mais sincèrement, ça, c'est une grosse adaptation. C'est une très grosse adaptation. Mais je fais pas grand-chose. Je fais pas... je fais la même activation que je faisais dans le temps, quand je jouais professionnel ou whatever, tu sais, de la hors glace là, avant le match. Mais je touche pas à la glace la semaine. Pas vraiment. Puis je sais pas. Ça ressemble pas mal à ça. Peut-être avant les matchs, t'as-tu quand même. J'allais dire, tu joues-tu dans des ligues. Des ligues de bière, des ligues amicales ou... Non. Je vais dire, ça va peut-être paraître bizarre, mais je déteste garder les buts dans ces ligues-là. Okay. Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif. Et puis, me faire compter 8 buts là, mettons à 50 minutes, là, je suis pas capable. Tu sais, j'ai pas de plaisir, je vais être enragé après la game, je vais tout vouloir casser. Fait que je suis pas capable. Fait que c'est ça. Mais tu sais, mettons, là, sinon, ce que je vais faire des fois, c'est que, mettons, si je suis capable d'avoir une heure de glace libre, quelque chose, je vais mettre mes patins de goaler, puis je vais essayer de casse-gant. Puis là, je vais te pratiquer mes edges avec mes patins. Fait que comme ça, quand j'arrive sur la glace, mettons, le vendredi soir, ben, j'ai déjà le feeling de mes patins. Fait que je suis déjà plus à l'aise. Puis là, je peux commencer à juste pogner mon feeling avec ma puck. Mais tu sais, dans LNH, ce qui est cool, par contre, ce qui est bien fait, c'est que c'est des warm-ups de 18 ou 20 minutes, là, ça, je suis pas sûr. Mais c'est ça. Fait que t'as quand même le temps de prendre les shots. Sinon, avec les 3L, on a Chevrier qui prend des lancers ou ce que je veux. Commencer le warm-up, après ça, on fait 3 colonnes. Après ça, on fait des shots du milieu. On fait la banane avec 2 contre 1. Après ça, on fait les regroups et tout ça. Fait que sincèrement, je trouve qu'avec ce 20 minutes-là, plus mon activation avant,
je me sens à l'aise sur la glace. Puis je me sens quand même correct pour garder des buts. Fait que j'en fais pas plus. Comment c'est fait, peut-être, ton arrivée avec les 3L, avec Fabien Dubé, comment on t'a accueilli, tout ça? A1, sincèrement, écoute, ben Fabien, tu sais, c'est sûr que Fabien, j'y avais parlé souvent, là. Mais on se textait pas mal à chaque 2-3 jours environ. Et puis, il m'avait mis 4 sur table au début, en partant. Puis je me suis quand même senti apprécié. J'étais allé voir un match à Sorel. Puis j'avais parlé avec Anthony, tout ça. Puis là, direct, là, j'ai pris ma décision. J'ai dit parfait, c'est vendu, je m'en viens avec vous autres. Et puis, en partant, en arrivant, tu sais, Fabien il m'avait expliqué comment ça allait se dérouler, tout ça. Fait que je me sentais déjà super à l'aise dans l'organisation avec tout le monde. Et puis, les gars, en plus, sont super gentils. C'était début novembre que je suis arrivé. Puis l'équipe était dans une super bonne passe. Puis ça allait continuer jusqu'au fait. Fait que ça, c'était super le fun. Puis comment ça va avec ton coéquipier, ton nouveau collègue, là, Émilien Boilly? Comment est-ce que ta relation avec ton autre gardien, Rivière-du-Loup? Ah, ça va super bien, sincèrement. On avait déjà joué contre un peu dans le junior, tu sais, sur une année. C'est un super là, bon gars, sincèrement. Puis moi, il m'épate à quel point qu'il est capable de gauler et qu'il est en shape. Puis il va faire ses games au complet, puis il a pas l'air essoufflé. Puis moi, je vais arriver dans le net, tu sais, puis je suis comme un cochon, si on peut dire. Je vais suer, tu sais, puis... Lui, il est super relax tout le temps, il se promène, mais moi, on se parle pendant un game, dans les temps d'arrêt, tout ça. Fait que, en tout cas, c'est super. Mais j'ai super du fun avec lui. Puis, justement, plus au début, là, un peu moins à cause de la rotation des joueurs, mais j'embarquais souvent avec lui dans la vanne. Fait que, on a pu se créer une chimie en partant, tout ça. Puis, c'est une super bonne personne. Je suis super content de jouer avec lui. Là, il y a un nouveau masque depuis la semaine passée. À quand le tien, ton masque aux couleurs des 3L? Peut-être pas tout de suite. C'est dispendieux pas mal de l'équipement de gardien de but. Hein? Les pads de QTR aussi, encore. Là. Ouais, ça. mais ces pads-là, ils ont fait le tour de la planète. ils en ont vu des couleurs, là, sincèrement. Là. Je serais dû pour les changer, mais tu sais, là, avec mes cours à l'université, tout ça aussi, ça, c'est dispendieux aussi. Fait que là, je fais un budget, puis chaque chose en son temps. Alors, puis, aussi, il y a un commentaire, j'ai spoté depuis le début, Stéphane Bailey du Saguenay, qui nous dit « T'as connu mon grand chum, Jean-Sébastien Beauchesne, chauffeur d'autobus? » Ouais. Ouais. Il vous chauffait, c'était quand ça? C'était-tu dans le junior? Ouais, c'était dans le junior. Ouais. Dans le junior. Ouais, donc. Bon, ben, on va laisser Stéphane répondre. Ouais, ouais. En l'entendant, il a l'air de s'en rappeler plus que toi, je pense. Je sais pas si ça a d'autres questions, les boys. Là, j'aurais des photos, peut-être. Ouais, c'est ça, à Québec. Ouais. Fait que ça, on va y aller avec une couple de photos. C'est pas trop compromettant. Il y a peut-être une photo plus drôle que les autres. Là. Mais j'ai fouillé ça un peu. Commencer par ici. Donc, tu avais gagné. C'était le gardien. Martin Brodeur, ça. Ouais, ah, c'était la meilleure moyenne de but à Louis, j'ai 3. Ouais. That's it. Avec sa photo, il y avait Joe Canale. Ouais, Joe Canale ouais, à droite. Ouais. C'était comme le coach des coachs, là, si on veut, je pense, comme directeur des opérations hockey. Pour le Midget 3 à l'époque. Petite photo ici. C'était ta photo la plus vieille de ton Facebook. Ouais. Mortagne. Ben, je pense que j'avais 14 ans là-dessus. 14 ou 15 ans. Photo ici. À ton repêchage. Ouais. Ouais. Donc, par les Tigres, 4e ronde, 63e au total. Il y a ici, tu avais fait la classique hivernale là, à Drummondville. Ouais. Ça, dans la forme des Tigres. Peut voir la tuque là, à la José Théodore. Est-ce que tu t'es inspiré un peu de José ou.
Ouais, 100%, 100%. Ça, c'est une de mes plus belles, ma plus belle expérience d'hockey à vie, ça, ce match-là, sincèrement. Ouais, c'était vraiment hot. C'était ben, extérieur, mais il y avait des astrales, ils étaient grands. Ouais, je pense qu'il y avait peut-être une capacité de 5 000. Tu sais, le match était diffusé à TVA Sport. Puis il neigeait, mais il neigeait un peu trop par contre, là, parce qu'il fallait qu'on arrête à chaque 5 minutes. Mais tu sais, c'était vraiment une ambiance féerique. Il neigeait. On a commencé en après-midi, puis ça a fini, il commençait à faire noir. Puis on avait gagné 2-0. J'avais fait un jeu blanc, je pense, c'est 34 ou 35 lancés. C'est quoi demander mieux pour une classique hivernale? Non, c'est vraiment un bel événement. Il y avait sur place, là, l'événement était hot aussi, là. Il y avait pas mal d'affaires pour les partisans, la game, Ouais, le c'est ça. setup était malade, là. Puis... Non, j'étais présent cette semaine-là. Ouais, vraiment bien organisé pour le. Petite photo avec les remparts ici. Ouais. Ça, là, cette photo-là, c'est même pas mon casque. Écoute, je me souviens plus, je pense qu'il y avait une strap qui avait brisé ou quelque chose. Fait qu'il avait fallu que je change de casque pour avoir. Pour changer. J'avais pogné le casque à Aymeric Despatie, dans le fond. Ah, ben c'était écrit 30 sur le casque, puis tu avais le 39, il me semble. Ouais, c'est C'est ça ça. ce que, ouais. Si je check un peu, tu comprends que ça marche pas, là. Un petit, ici, une petite photo là, avec chandail spécial Ouais. Noël, c'est à Ça, quelle occasion? c'était à Reading, c'était ma première game, c'était au jour de l'an, c'était pour le Hanouka, je pense qu'ils appellent ça, ou. En tout cas, écoute, je suis pas trop sûr. Fait que t'as fait un jeu blanc là-dedans. Ouais, ça c'est ma ouais, première game professionnelle. Puis, hey, check-moi les couleurs. Le suit, les pads, le QTR avec le hockey sweater. C'était pas déconcertant de voir les joueurs sur la glace patiner avec ça. Ouais, c'était. Écoute, ça c'était bizarre, mettons. Mais tu sais, c'était la première game, j'avais goalé, mais j'avais des. Ma première game, c'était des chandails normaux. Fait qu'au moins, ça, c'était pas si pire, là. Parce que, mais ce que je savais pas, c'est qu'à Reading, je pense qu'à toutes les semaines, ils ont un team night différent. Fait qu'il y a un chandail différent. Fait Wow, que, mais, c'est un bon j'ai pas guide. pogné. Je pense pas que j'ai pogné le plus beau, là. C'est pas Redding qui peinture la glace en rose, me semble, ou Ouais, il avait fait ouais, ça cette année, il a fait ça, ouais, hein? oh, ouais. Wow. Écoute, ils font tout. Ils font une soirée bobette aussi. Tout le monde lance des G-strings sur la Ouais. glace. Et, Cool. Le ouais. type, il a joué longtemps à Reading, ça veut Wow. dire que. Ouais. Oh, ouais. Il va avoir des bonnes stats à la soirée, Bobette. C'est fait lancer des J-strings sur la tête. Ouais. Bon, ça, on aime ça. On aime ça. Dans la petite photo ici, et là, il va falloir que tu m'expliques, là, c'est quoi ça? T'imagines, c'est à l'Halloween? Ouais, ça c'était à l'Halloween, mais justement, ça c'était notre match à Rivière-du-Loup. Ouais, je reconnais, il chante, c'est Rivière-du-Loup, hein, ça. Ouais, c'est Rivière-du-Loup, ça c'est avec Marc-Olivier Duquette. Fait que ça c'était un de mes défenseurs à Châteauguay. Et puis les deux, on était allés s'acheter un costume de prêtre. Hey, on avait pensé, on était allés chercher ça, on avait quand même dépensé de l'argent pour ça. Puis là, on faisait un concours dans l'autobus quand on revenait là, avec les costumes, tout ça. Ah, c'est bon, ça. Une chance que ça a spoté, c'est arrivé à Dieu, parce que vite de même, on aurait pu penser que c'était une soirée thématique à Reading. Ouais. Ouais. Fait que J'ai ça pas fait beaucoup de photos sur Facebook, là. Facile à savoir. le tour de mes petites photos, les messieurs. Good. Fait qu'on peut enchaîner avec. Moi, j'ai un petit questionnaire pour apprendre à mieux te connaître, connaître tes préférences un peu et tout ça. Donc, tu réponds à la première chose qui te vient en tête. Fait que, let's go. Donc, pour commencer, ton idole au hockey. Cristobal Huet. Cristobal Huet. Ah, y a-t-il une raison en particulier? Mais j'ai commencé à gauler à cause de lui. OK. L'attaque que je Fait que connais. moi, j'ai. Ouais, je peux même pas dire pourquoi. J'étais tellement jeune en plus au début, là, mais son stock rouge au complet en arrière avec le bleu, là. Et, écoute, ça. Je sais pas. C'est la raison pourquoi je suis rendu un gardien de but. Marco Charpentier, un moment donné, m'avait conté une histoire qu'il avait joué en Suisse puis il avait marqué un but contre Cristobal Huet. C'était un de ses plus beaux souvenirs. Oh, hockey. Ton athlète préféré en dehors du hockey?
Cristiano Ronaldo, je te dirais. Je suis un gros fan de soccer. C'est sûr. Il est cocky, lui, Ronaldo. Hein. Ouais. Ouais, ben là, mettons, là, je le suis moins, ouais, un peu. C'est pas la Ligue saoudienne. Ouais, non, ça. Non, non, ça, c'est. Non, ça, je suis pas ça, par contre. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Jouer le plus de ball game possible. Puis après ça, moi, j'étais un gars. Moi, je m'habille là, dans Q quand je jouais à Victo. Là, j'avais ma routine. Là, je faisais ball game. Puis mettons, là, il a fini tout le temps quand il reste 25 ou 20 minutes avant le warm-up. Puis après ça, là, c'est là que je fais mon activation. Puis je rentre dans la chambre, il reste environ 8 minutes ou 7 minutes et demie. Fait que, mais là, la ball game a fini un peu plus tard. Fait que là, j'ai plus de temps. Là. Mais je suis un gars qui s'habille extrêmement rapidement. Fait que moi, je suis pas capable d'être trop longtemps dans la chambre avant la game. OK. Parfait. À Rivière-du-Loup, ça serait qui ton coéquipier le plus drôle? Ben, j'ai bien du fun avec Anthony Gagnon, puis vous le savez, mais sincèrement, Loïc Marcotte, il est quand même drôle. Il est capable d'en compter des bonnes dans la C'est bon. T'as-tu un coéquipier qui serait plus en désordre? Quelqu'un qui se laisse tomber un peu? Ça. Je pourrais pas te dire encore. J'ai pas remarqué quelqu'un qui se laisse traîner. C'est bon. Le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière? Je te dirais peut-être Max Comtois. Sincèrement, qui était quand même dans. En tout cas, dans Junior, il était une coche au-dessus de tout le monde. Là. Lui, puis Vitaly Abramov. Good. Ton meilleur souvenir de ta jeune carrière dans la Ligue nord-américaine? La game à Sorel. La game à Sorel, ouais. C'était une grosse game. On était allé la chercher, puis c'était des gros points au classement, puis ça avait super bien été. Fait que, ça a été notre dernière game avant d'aller en plus. Fait que celle-là, je m'en souviens. T'sais. Ouais, c'était-tu le dimanche après-midi? Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas laquelle, mais ouais, t'avais fini dans les étoiles, cette game-là. Pour moi. Ouais, c'était ouais, celle-là, ouais, j'avais fini dans les étoiles. Ouais, je suis pas mal sûr. Yes. Ton repas préféré? Là, j'aime bien gros soit un tartare de saumon ou pokéball de saumon. Bon choix. Ouais. Ton film préféré ou une série que tu aimes regarder? Mettons une série, je te dirais ma série préférée, ça a été Suits sur Netflix. Ouais, puis si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? J'irais voir, c'est un groupe, c'est deux DJ que j'aime bien, puis deux DJ de l'Ukraine, ça serait Arbat. Fait qu'ils ne sont pas connus ben, là, mais... si tu le dis, c'est bon. Ouais, si tu le dis, c'est bon. C'est le genre de DJ qui viendra à Montréal. Ben, ils sont venus au pique-nique électronique, ils ont closé la saison du pique-nique électronique, mais tu sais, non... Ils vont venir peut-être une fois par année ou deux, trois ans, peut-être. OK. Bon, quand même. C'est un peu comme les artistes en général. Ouais. Nice, good. Fait que moi, ça faisait le tour de mes petites questions. Merci de t'être prêté au jeu. Merci. Il y a Denis Arsenault, là, entre-temps, qui dit en désordre, il n'y a personne. On ramasse après trois petits points. Ouais. On ramasse. Denis, pour Fait que pour finir, on pourrait parler un peu de la situation. Là, qu'est-ce qui se passe à Rivière-du-Loup? Tout allait bien, puis là, ça, dans les dernières semaines, c'est un petit peu plus difficile. J'y pense. Ouais. Est-ce une raison ou ça va se replacer ou qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est sûr que là, les deux. La game en revenant de Noël, il y a la tempête de neige contre Laval. Il manquait des joueurs, puis Laval, c'est une grosse équipe, tout ça. Mais je pense juste que. T'sais, il nous a manqué des joueurs, puis en revenant de Noël, on a manqué de cohésion, puis là, ça a fait un match, deux matchs, trois matchs, puis là, je pense juste une petite boule de neige, mais je pense juste que, qu'en fin de semaine, les gars, on va être prêts, puis on va revenir, là, puis on va bounce back. Je suis pas inquiet de tout ça, moi. Moi, j'aimerais dire peut-être un petit peu plus positivement, ben, si on enlève ces matchs-là, on aurait pu dire quand même que les 3L étaient une équipe surprise en début de saison, un bon début de saison.
Beaucoup de nouveaux joueurs quand même dans l'équipe, mais je pense que le gâteau avait pris, du moins à un moment donné, ça a bien été au cours de la saison. Mm-hmm. Puis, tu sais, le classement quand même, vous n'êtes pas si loin, là. Il y a toujours, il y a encore plusieurs matchs là, au calendrier. Il y a de la parité dans la ligue, tout ça. Mais à ton avis, là, les succès de l'équipe sont attribués à quoi? Ben, je pense juste qu'on est une gang de gars, on est conscient de notre équipe, on est conscient de nos forces, de nos faiblesses. Puis quand on a du succès, c'est juste qu'on applique notre plan de match à la lettre et on ne déroge pas de ça. On n'essaie pas de devenir trop fancy. Et puis, donc, on sait qu'il faut qu'on travaille, tu sais. En zone offensive, il faut qu'on ait travaillé dans les défenseurs, il faut qu'on fasse du cycling, il faut qu'on bouge la puck, c'est en défensive, il faut qu'on communique, il faut qu'on track back quand on donne un rush. Mais tu sais, ça, c'est toutes des choses qui ont donné beaucoup, beaucoup de succès avant Noël. Puis moi, je pense que c'est réellement la raison, c'est qu'on stick au plan de match, puis les gars, ils donnent un deuxième effort tout le temps. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné du succès pour le reste de l'année. Surtout en playoff aussi, là. En fait, puis un mot, mettons, pour les partisans, je trouve qu'il y a de plus en plus d'ambiance, je trouve, dans les dernières semaines au centre Premier Tech, si on compare au début de la saison. Fait que c'est de bon augure. Tout ça, si tu avais un mot à donner au Lupin Rivois qui nous regarderait en ce moment. Là. Ah ben merci beaucoup pour votre support, sincèrement. On vous entend, on vous voit, c'est super apprécié. Puis de continuer comme ça, et puis de ne pas vous inquiéter, on va donner un effort à toutes les soirs, et puis... on va aller chercher plusieurs victoires d'ici à la fin de la saison et en playoff. That's it. Ça a été dit. Donc, Tristan Côté, pas promis des victoires, mais vous a dit que ça va aller bien dans les prochains temps. Là, ça s'en vient. Donc, les 3L qui vont faire leur comeback. Ouais, à partir de samedi. Parce que bon, on va voir. Good. Ben, merci à Tristan de t'être prêté au jeu. Félicitations aussi pour ton arrivée avec les 3L. Tu performes bien. Tu as même été là, dans les étoiles de la semaine. Première étoile de la semaine, si je ne me trompe pas même. Il y a quelques semaines. Donc. De ton côté, ça va bien. Je pense que tu as de l'air à t'avoir acclimaté là, à la ligne américaine. Tu l'as dit aussi que l'ambiance dans la chambre, tout ça, tu n'avais jamais vu aussi bonne ambiance. J'espère que ça va peut-être te redonner le goût du hockey après une saison l'année dernière. Quand même, c'était des expériences, là, mais... Ouais. Un peu de stabilité puis un peu de plaisir aussi, c'est jamais de refus. Exactement. On dit jamais non à ça. That's it. Bon, ben, je vais te souhaiter une bonne fin de saison, mon Tristan. Merci beaucoup, les boys. Super apprécié. Merci d'être venu. Merci à toi d'être venu. Merci. À la prochaine. Encore, on se reparle. Bye. All right. Tristan Côté Cazenave. Yeah, c'est pas une entrevue quand même, oui. Beau, même si quand encore très jeune, un beau parcours, des belles expériences. Mm. On espère que ça va se poursuivre dans la Ligue nord-américaine. Mm. C'est un gars qui est le fun à avoir en entrevue. Pour vrai, Tristan, il est volubile, puis tu sais, il n'a pas la langue dans sa poche, puis il peut t'en sortir des bonnes aussi, des bonnes histoires. Pour un joueur, un jeune joueur qui a du vécu. Donc, on pourrait parler un peu des matchs de la fin de semaine puis des matchs qui s'en viennent là, pour conclure le podcast. Rapidement, on a encore on a des grosses fins de semaine de hockey. Donc, programme triple vendredi dernier. Donc, commencé, là, il y avait eu le match Thomas Sorel, les Éperviers là, contre les Pétroliers. Je pense que c'était quand même un beau... En tout cas, si tu veux en parler, François, on pourra en parler. Là, la période de prolongation a suscité quelques réactions un peu, là, notamment à cause des décisions des arbitres. Mais je pense que quand on regarde un peu quand on regarde ça avec un peu de recul, je pense que c'est quand même un beau dénouement au match là, quand on connaît les circonstances là, de ce match-là, la seule. Ben, c'est ça. C'est sûr que...
j'ai envie de dire poétiquement, là, je veux dire, quand tu sais, quand tu vas pour le show, pour les partisans qui étaient là, puis l'histoire qui est autour du match, c'est sûr que c'est une bonne. Une belle fin, là, mais... Je vais faire une petite parenthèse officielle, les pétroliers l'ont sorti que Jonathan Joannette a signé à Laval. Donc, on en a parlé en début de show, c'est maintenant officiel. All right. Donc, François Boulet qui nous a demandé justement des news et nouvelles signatures qui finissent aujourd'hui. Ben, hier, il y a eu Félix-Olivier Chouinard démarqué. Aujourd'hui, Jonathan Joannette. À Laval. Donc, désolé François, tu peux continuer. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, c'était pour dire que c'est dommage pour les pétroliers dans ce contexte-là. Puis, je veux dire, c'est sûr que c'est l'équipe que je suis, c'est toujours un peu dommage. Mais, tu sais, si on y va pour le comme tu disais, là, avec tout ce qui se passe autour du match, je pense que c'est une belle fin, surtout pour les partisans qui étaient là. Puis, regarde, ça demeure une défaite en prolongation. C'est une défaite, tu sais, c'est quand même un point au classement. Puis comme je le mentionnais en début d'émission, oui, une série de trois défaites, mais c'est mieux que ça arrive là que ça arrive en fin de saison quand le classement est plus serré puis qu'on est sûr. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Oui, puis tu sais, c'était quand même un match serré tout le long. Là. C'était un bon match de hockey, mais je pense que les éperviers ont quand même un style, ben, ont toujours eu ce style-là, là, mais tu sais, qui sont présentement jouent très bien, là, limiter les chances des autres équipes, puis les gardiens font le travail. Puis du côté des pétroliers, il manquait quand même un élément important, Danick Paquette, là, qui purgeait son match de suspension, qui amène quand même une autre dimension à l'équipe. Également, Pierre Pelletier qui n'était pas là. Fait que, tu sais, c'est sûr que sans rien enlever à Lucien Paquette, là, c'est sûr que quand l'entraîneur-chef n'est pas là, je ne sais pas s'il était quand même au match, parce qu'ils peuvent quand même, même si ça se passe être au match, mais tu sais, c'est sûr que si l'entraîneur-chef n'est pas là. C'est ça, mais tu sais, mais sur le banc, tu sais, chaque entraîneur, c'est dur de tout faire sur un banc quand on est seul. Là, c'est important de. Oui, puis c'est les repères des joueurs. T'sais, les joueurs n'ont pas les mêmes repères, ils n'ont pas le même feeling. Puis oui, moi non plus, c'est pas rien avec Lucien, c'est un excellent entraîneur, c'est un excellent homme de hockey. Mais tu sais, quand tu es habitué d'avoir Pierre qui dit les choses, qui donne les instructions, qui donne les conseils, tout ça, puis là, tout d'un coup, il n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre, c'est déstabilisant. Des joueurs de hockey, on le dit souvent, c'est des bébites d'habitude. Là. Quand on change les habitudes un peu, c'est un peu plus difficile, fait que c'est ça qui c'est ça. Puis là, ça va être la même chose jeudi à Saint-Georges. Puis après, il reste encore un match à sa suspension, fait que va falloir essayer de se ressaisir un petit peu là-dessus. Puis en plus, c'est un troisième match sur la route de suite, fait que c'est pas c'est ça. Fait que c'est ouais, puis mais tu sais, au moins Paquette va être de retour. C'est ça, au moins. Ouais. Puis c'est Guillaume Girardin et Cantès au niveau de la défensive, Sorel, Samuel Labrec et Guillaume Beaudoin qui sont toujours absents. Mais depuis quelques matchs, Sorel ont décidé de jouer plusieurs fois à cinq défenseurs, même qu'on utilise abondamment certains défenseurs. Là, Gabriel Bilodeau, Danick Malouin, Maxime Houmet sont très, 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 très utilisés. Sûr, on n'a pas les stats de temps de glace, là, mais font quand même du très bon travail. Puis on dirait que c'est le genre de défenseur qui, plus on a de la glace, mieux ça va. Dans le sens qu'ils vont jouer un meilleur match s'ils ont 25 minutes que s'ils en ont 15, parce que justement, on dirait qu'ils sont plus dedans. Mais pour l'instant, ça va bien. C'est juste que c'est ça. Ça reste que c'est mince à la défensive. Ouais. Une question de Denis dans le chat qui demande à propos des suspensions. Quand un gars est suspendu en trois, pourquoi les suspensions s'appliquent à la nôtre? C'est un règlement. Je pense qu'il parle probablement de Maxime Vachon, là, parce que c'est lui qui apparaît sur le site de la Ligue et qui est suspendu dans le trois présentement. Pourtant, si je ne me trompe pas, les événements
qui avait mené à sa suspension avait déjà survenu quand il a joué son match avec les 3S cette année. Je pense que c'est venu par après qu'il y a peut-être quelqu'un qui a allumé qui a dit hey, il n'est pas supposé de jouer parce qu'il est supposé être suspendu dans le 3A, mais c'est un règlement de ligue qui fait que quand tu es suspendu dans le 3, techniquement, tu es supposé être suspendu en haut. Mais Il y a honnêtement, chose, par rapport à Hockey Québec là-dedans, je ne sais pas si ça rentre dans les. T'sais, je sais que dans des ligues inférieures, dans le hockey mineur, vu que c'est tout sous Hockey Québec, ben, c'était suspendu d'une catégorie, mettons, comme entraîneur. Puis tu peux. Il faut que tu sois suspendu entraîneur adjoint aussi. T'sais, je sais pas, là, je lance ça. Il y a probablement des ententes entre les ligues aussi, là, mais je ne vais pas trop m'avancer si je ne connais pas l'information. Oui. Également. Ce que j'ai dit, c'est ce que je pense. C'est pas nécessairement la vraie raison, mais je pense que c'est à cause de ça. Ouais. Si on continue au niveau des matchs, Thetford à Saint-Georges, on a failli avoir notre deuxième foule de 2000 personnes dans la ligue nord-américaine vendredi dernier à Saint-Georges. 1900 personnes, c'est vraiment le fun, c'est incroyable. Malheureusement, pour ceux qui étaient là, l'assurancier a joué les troubles fêtes en troisième période. Un petit comeback, comme on dit. Ils vont gagner ça en prolongation. Mais c'était quand même un bon match de hockey, là, quand c'était serré tout au long du match. Puis, tu sais, c'était un match. Des fois, on est habitué qu'il y a des petits débordements de ces deux équipes-là. C'était un match qui était plus axé sur le hockey. Mais un match qui finit en prolongation de ces deux équipes-là, c'est. On ne peut pas demander de mieux, à part pour que l'équipe locale gagne, là, mais tu sais, c'est toujours plaisant. Puis ça faisait un bout qu'il y avait eu plusieurs matchs en prolongation en même temps. Il y en avait tout le temps au début de la saison. Ça s'est calmé un peu. Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui avaient vu un peu ce match-là ou tu as eu la chance de voir un peu ce qui s'était passé. Tu parles de Saint-Georges Ouais, j'ai surtout regardé les highlights d'un peu partout. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres matchs en particulier que vous aimeriez discuter de la fin de semaine dernière? Ben, si on regarde un peu, j'aimerais ça peut-être vous montrer premièrement le classement. Ouais, Vous amener le classement, là, on voit Montcalm qui est maintenant en deuxième position. Ouais, justement, qui ont gagné leurs deux matchs. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je regarde, ce qui me fascine de ça, je trouve ça assez spécial de voir, c'est si tu peux juste leur montrer 2 secondes le classement, Seb. Ouais. Tu sais, Montcalm, ça fait là, quoi, 2 semaines, il était 6e ou 7e, me semble, là, 2 ou 3 semaines. Ouais. Puis ouais. Là, remonte 2e. Puis moi, ce qui me surprend encore plus, c'est regarde le différentiel, de voir l'équipe de 2e place avec un différentiel négatif. Puis, tu sais, Saint-Georges qui est 4e, qui est un peu plus haut. Je trouve, c'est pas mal, c'est pas quelque chose. Je trouve juste ça, c'est particulier. Ça donne un quelque chose de spécial là, dans la ligue. Je trouve que c'est une bonne. Ça donne un bon spectacle. J'imagine ça donne le feeling que tout peut se passer, que n'importe qui peut. Sur ce moins 16-là, je te dirais, il y a une partie en particulier contre les pétroliers qui a dû aider. Il y en a deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Mais quand même, tu sais, c'est un classement un peu pas typique. C'est un classement qui est particulier. Puis ça fait une saison particulière. Puis je pense que c'est bon pour le spectacle. Puis tu sais, les bâtisseurs qui ont donné 4 buts en fin de semaine sur 2 games. Sûr, les gardiens ont très bien gardé les buts, mais vraiment, tu sais, je pense que l'ajout d'un Dominique Talbot-Tassi, c'est vraiment ce qui leur manquait. Là. Quand, tu sais, je pense que si on avait à mettre, parce que c'est dur à juger, là, parce qu'il ne s'est vraiment pas passé beaucoup de choses dans la date limite des transactions, mais je pense que s'il y avait à nommer des gagnants, ça serait définitivement les bâtisseurs, parce que tu sais, L'autre grosse partie de l'échange, c'est Laval qui ont reçu Maxime Guillon et Curtis Swanson. Puis, tu sais, ça a rien à voir avec Maxime Guillon qui, je pense, est en train de. Tu sais, c'est vraiment un des bons marqueurs dans la ligue. Laval avait déjà l'attaque qui produisait le plus de buts. Donc, tu sais, c'était pas. C'est sûr que ça va ajouter encore plus de punch. Puis, c'est les riches qui s'enrichissent au niveau de l'attaque. Mais, tu sais, dans le sens que les bâtisseurs avaient cruellement besoin d'un défenseur, puis là, vient d'en chercher un fiable, qui est fiable défensivement, qui peut monter la rondelle, patiner avec, produire en offensive également.
c'est quasiment, on vient pratiquement de remplacer la plus petite Essienne, c'est un Sacha Pokoloc. C'est sûr qu'on n'a pas les habiletés offensives de Pokoloc, mais on vient quasiment de contrer ça. Puis tu sais, je le mettrais entre Wayne Letourneau et Sacha Pokoloc, tu sais, mettons. Fait que on vient quand même on vient d'avoir un upgrade sur Wayne Letourneau. Peut-être pas Sacha Pokoloc, mais en même temps, on est plus jeune du côté de Talbot Tassi. Fait que ça qui aide aussi. Fait... Mais au-delà des stats ou du talent, je trouve que à Talbot Tassi, c'est. Je l'ai vu en entrevue là, également, Talbot Tassi dans l'uniforme des bâtisseurs. Tellement un gentleman, tellement un gars qui. Ben, je pense qu'il était aussi disponible là, pour les pétroliers, là, toujours pour les entrevues, tout ça. Ouais. Je pense que ça peut être un bon ambassadeur là, pour le hockey à Montcalm, Talbot Tassi. Oui, effectivement. Puis en même temps, s'ils vont chercher Talbot Tassi, Montcalm, ils vont chercher quasiment un assistant entraîneur parce que le frère de Talbot Tassi va commencer à suivre Montcalm. C'est vrai, ils avaient dit ça. Ouais, c'est bon ça. Mais tu sais, de l'autre côté, je regardais, tu sais, Maxime Guillon disputer quand même un bon match là, avec les pétroliers. Je pense que c'est lui qui a fait le plus de tirs dans le match là, du côté des pétroliers avec 4 tirs. Il y avait quelqu'un d'autre aussi qui avait 4 tirs, je pense. Là, mais... Il a remplacé Danick Paquette sur la ligne à Massenauer et Poulin. Ouais, donc, on a quand même donné un beau spot, comme on dit. Ouais. Il y avait Boucher puis Sauvé aussi qui avait 4 tirs. Mmh. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça va être une belle addition. Guillaume, c'est un joueur que j'aime bien. Ça fait 2 ans qu'il est dans la ligue. Puis, je pense que je l'avais mentionné là, dans la première. Je m'excuse de dire demain. La première varlope là, de Laval contre Montcalm. Tu sais, même à 8, 9, 10, 11, 2, peu importe c'était quoi le score. Guillon était il avait toujours la même intensité, il continuait à essayer de il abandonnait pas là, t'sais, fait que c'est ce que j'aimais beaucoup de son jeu, puis je pense que c'est le genre d'intensité qui va bien fitter avec Laval, fait que c'est une bonne acquisition, puis oui, Talbot Tassi, c'est dommage, moi je l'aimais beaucoup comme défenseur, c'est sûr que là, avec l'arrivée de Bureau Blais, fallait qu'il y en ait un qui écope. Wow. Là, je veux dire, s'il y a une affaire qui... Il y a Joannette en plus. Là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, s'il y a une position à Laval qui a beaucoup de profondeur, c'était à défense. Là, avec Benoît, on mentionnait souvent pendant les matchs, de voir les trois paires qui étaient plus régulières. Tu avais Talbot, tu sais, dans les six qu'il y avait, là, qui étaient plus réguliers, tu as Talbot Tassi, tu as Medley, tu as Sauvé, tu as Larose, tu as l'Éveillé, puis le sixième qui me manque, c'est, je vais le dire, mais que je le vois. Voyons. Paris. Ouais, ah. Paris, c'est pas tout le temps là. La Rose l'Éveillé, Sauvé, Bureau Blais. T'as pas dit Bureau Blais, je pense. Ben là, c'est qu'à ce moment-là, il était vu qu'il vient de revenir. Ouais. Tu sais, juste ça, là, tu sais, tout c'est... Narbonne. C'est son inclus. C'était Narbonne. Donc, qui manquait. Ouais, t'as raison. Fait que tu sais, c'est... Puis tu sais, tu rajoutes, après ça, tu rajoutes un Paris, tu rajoutes d'autres joueurs qui viennent remplacer à l'occasion... Je pense qu'en position de défenseur, les pétroliers étaient déjà très, très bien nantis. Il fallait qu'il y en ait un qui écope avec Bureau Blais qui revenait parce que faut que tu y fasses une place parce que ça a été le meilleur défenseur de l'équipe l'an dernier. Fallait y faire une place. Non? C'est dommage, mais c'est ça. Mm-hmm. Exact. Donc, on va voir. En tout cas, ça promet pour les pétroliers. Là, on prend une place au classement. Les derniers invités qu'on reçoit aussi, si on parle des pétroliers, ils vont nous dire que c'est l'équipe un peu à abattre en ce moment. Aujourd'hui, encore un gros move. Se passe des belles choses là, en ce moment à Laval. Ça va être intéressant de suivre la suite. On reste pas assis à rien faire à Laval, ça c'est sûr. Mm-hmm. Puis, on regarde pour la fin de semaine qui s'en vient. Fin de semaine très intéressante. Fin de semaine qui s'annonce assez le fun aussi également. 7 matchs, donc ça veut dire que toutes les équipes jouent 2 fois, ce qui est arrivé seulement une fois à date cette saison.
Donc, ça commence jeudi à Saint-Georges, à les Pétroliers. Après ça, vendredi, Montcalm à Thetford, Jonquière à Laval, match attendu là-bas. Rivière-du-Loup à Sorel-Tracy avec les chandails spéciaux de Sorel pour la santé mentale. Après ça, Sorel-Tracy à Jonquière. Peut-être que ça va être le match d'Alexandre Canel à Jonquière qui nous avait promis, puisque c'est le dernier match de Sorel à Jonquière cette saison. Donc, le retour de Canel à Jonquière, peut-être. Thetford à Rivière-du-Loup pour la soirée hawaïenne. Et puis, Saint-Georges à Montcalm pour terminer ça. Qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine? Qu'est-ce que vous avez hâte sur quoi vous allez porter attention? Qu'est-ce que vous avez hâte de voir en fin de semaine? Ben moi, j'aimerais ça voir un peu les 3L, comment ils vont réagir si on va sortir un peu de la torpeur, ramener les victoires, voir justement les bâtisseurs s'ils vont continuer un peu dans leur lancée. Tu sais, je veux dire, à cette équipe, on regarde un peu tous les matchs aussi. Du coup, être là, le classement est tellement serré, ça c'est sûr. En ce moment, les éperviers vont bien aussi. Ils ont sorti du dernier rang, là, monte au classement. On prend nos heures d'aller. Tu sais, plus que le temps avance, là, on a franchi la date limite des transactions, la date des limites des signatures. À un moment donné, on va être un petit peu là, dans le rush que les équipes là, elles se préparent pour les séries. On va commencer à jouer du gros hockey. Les foules vont commencer à... On parle des foules de 2000 personnes, mais d'après moi, ils vont encore monter là, les foules avec le hockey qui s'en vient. Puis là, je voyais un peu Ryan Giroux qui me parlait de bataille aussi. Là, ben, le jeu va s'animer aussi. Là. Ouais. On va jouer de plus en plus serré. Nos opinions sur qui nous demandait on en pense quoi de Kevin Veilleux, ben, quand tu parles de bataille, son premier combat de la saison fin de semaine contre Kevin Auger des Bâtisseurs. Mais Kevin Veilleux, pour vrai, pour employer une expression anglaise, là, je reconnais une belle bounce back season. Rebondi avait connu une saison, on va se le dire, somme toute ordinaire l'année dernière, niveau points, là, il avait fait 10 points en 21 matchs. Mais cette saison, là, c'est 24 points en 22 matchs, 12 buts. Produit à Jonquière, il est impliqué. Je pense que c'est un bon. Je sais pas, je pense que. Ouais, c'était pas une grosse bataille. T'as raison, Stéphane, mais. ça, en tout cas, Auger tombé rapidement. Fait que ça a fini là. Mais je pense que c'est quand même un joueur que quand. Puis je pense que Bob Desjardins, c'est un de ceux qui ont réussi à faire ça dans la carrière de Kevin Veilleux, mais je pense que c'est un joueur que quand il est motivé, peut être tellement un bon joueur dans notre ligue que dans le fond, c'est lui qui a la clé. Mais à date, ça a l'air de bien fitter avec Bob Desjardins. Il a eu une excellente saison jusqu'à présent. Mm-hmm. Il y a une question à Mel contre Veilleux. Je pense pas qu'ils ont des. Pas le même genre de joueur. Pas le même genre de joueur. Il y en a un dans les deux qui est spécialiste. Puis je Rien enlever à Veilleux, mais c'est pas sa job. Je mettrais un petit 2$ sur Dave Hamel pour être honnête. Ouais, je vais regarder surtout. C'est sûr que Pétroliers qui vont à Saint-Georges, comme je disais tantôt, la série de défaites a commencé contre Saint-Georges, justement. Fait que je suis curieux de voir comment qu'on va réagir ou essayer de se sortir de là. Par la suite, bien sûr, à contre Jonquière au Colisée de Laval, ça va être un gros. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans. Moi, je suis sur les forums des partisans, puis je pense qu'on a, on a hâte à ce match-là. On a hâte de voir qui va être en uniforme pour les marquer de ce côté-là. Sinon, dans les autres matchs, je pense que Montcalm va avoir une grosse fin de semaine parce que Montcalm-Thetford, vendredi, il y a un point de différence entre les deux. Samedi, c'est contre Saint-Georges. Là encore, là, à l'heure actuelle, il y a un point de différence entre les deux. C'est les places 2 à 4 là, qui se battent toute la fin de semaine. Je pense que ça va être intéressant de voir ça va être quoi qui va. Le calendrier va avoir l'air de quoi la semaine prochaine. Je suis vraiment curieux. Fait que ça va être un peu ça que je vais regarder en fin de semaine. Le,
Le match de jeudi à Saint-Georges, c'est quasiment un match parfait pour TVLNH. C'est un jeudi soir, le monde sont à la maison, un petit match Laval-Saint-Georges. Ben, j'aime ça, moi, les matchs le jeudi, quand ils sont à Laval, là, c'est le fun. On sait que tout le monde regarde, ça donne un beau spectacle. C'est fait différent un peu. Ouais, au lieu du Monday night au football, c'est Thursday night. C'est le fun aussi, justement, parce que, tu sais, il y a 2, 3, 4 ans, il n'y avait pas ça. Là. Mais là, quand il y a des matchs, justement, le jeudi, c'est plus dur de suivre ces matchs-là. Là, au moins, t'as une alternative. Ouais. Puis, il y a beaucoup de monde qui regarde, c'est surprenant. Hein. Le LNH TV, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'à chaque fois que je regarde, des fois, pendant le match, je regarde il y a toujours un compteur de nombre, toujours une centaine de personnes, je pense, par match qui regardent. Là, c'est vraiment le fun. Mm-hmm. Oui, c'est pas mal tout le temps ça. Fait que c'est des très belles codes d'écoute. Puis je pense que ça permet aux gens de suivre les équipes. Fait que, ça donne plus envie d'aller au match suivant à la maison. C'est dur de mettre une corrélation exacte là-dessus parce que chaque équipe fait une grosse job dans leur ville respective, mais je pense que ça l'aide quand même au fait que les foules vont quand même bien cette saison. Puis juste répondre à Stéphane Bellé qui a dit « Portez attention, voir si David vient à Jonquière. » Je suis désolé, tu ne me verras pas en fin de semaine. Je ne pourrai pas être à Jonquière samedi. Je vais suivre le match pareil de tout ce que je vais être, mais malheureusement, je ne serai pas à Jonquière. Il joue plus en saison régulière, mais si jamais ça serait juste contre Jonquière en série, il va être là. J'écrivais un petit message là, à Alexandre Lachon qui dit « Qui vous pensez qui va remplacer Liker à Sorel? » Je vais écrire « Il est irremplaçable, Alexandre. Ouais. » Il est irremplaçable. Ça, c'est vrai, il est irremplaçable. Puis, il va faire frais tantôt. Et voilà. J'ai pas dit sur une peur. C'est pareil qu'il dit « Il va faire frais tantôt. » Ouais, mais il y a... En coin de Montréal, il annonce moins 20 dans le jour aussi, samedi. Moins 20 puis moins 30 quelques la nuit. Il va faire aussi frais de 7. Ouais, mais puis pour la Sorel, ben là, c'est sûr que à ce temps-ci de l'année, on ne peut pas vraiment. Malheureusement, pour Sorel, on ne peut plus vraiment signer d'homme fort. Il faudrait qu'il fasse ça ce soir. Je ne pense pas qu'ils vont le faire. Il y a Gabi Rock, lui, ça dépend de s'il peut revenir avant la fin de la saison. Il a déjà deux matchs à son actif parce qu'il est habillé deux matchs. Ouais, c'est ça. Peut-être que lui, c'est sûr que tout le monde à Sorel le souhaite là, parce que c'est quand même un rôle qui est important dans une équipe. Puis même si Sorel ont des gars qui peuvent faire face à la musique, comme on dit, c'est sûr que c'est pas. Les frères Marloin sont capables, mais en même temps, c'est sûr qu'ils aiment ça avoir de l'aide, justement, s'il y en a un l'autre bord, comme les Anmel, justement, puis les Bellemare de ce monde. Il y en a un qui peut leur fermer ailleurs. On parle peut-être un petit peu plus des blessés, là, mais du côté de Thetford, je vois la question qui était posée. Goulet, là, on vous avait dit peut-être après les fêtes, là, ça a été un peu retardé. C'est pas venu. Fait que, tu sais, on va voir. Je pense qu'on va laisser du temps à Alexandre Goulet, mais je pense qu'on le sait pas, là, rendu là. Je pense que ça c'est un peu. Dans les derniers matchs, ce que je voulais dire, c'est que j'ai écouté les entrevues là, à Bobby Barry, puis du côté de Thetford, il a quand même manqué des gros morceaux, là. Il y avait une game, pas de poudrier, la break, Goulet. Il y a des joueurs comme Lozier là, qui ont pris la relève, puis qu'ils en ont donné, là, mais du côté de Thetford aussi. Puis Wattier, je pense qu'il n'était pas là non plus. Oui, Wattier, c'est là à temps partiel plutôt. Mais du côté de Goulet, je pense que c'est un peu la clé manquante à Thetford, la pièce du puzzle, parce que leur attaque n'est pas pareil que l'année dernière, là, on s'entend. Là. C'est pratiquement un but et demi par match de moins quand Goulet n'est pas là. Fait que c'est sûr que ça se fait ressentir depuis le début de la saison. C'était le joueur le plus utile l'année dernière, Alexandre Goulet.
Fait que je pense que Stedford veut avoir une. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire là, mais tu sais, Stedford veut. Je dirais que Stedford veut être dans les favoris quand les séries vont arriver pour pouvoir gagner une autre coupe. Ça va leur prendre Alexandre Goulet. Je ne dis pas qu'ils ne seraient pas capables sinon, c'est juste, mais tu sais, ils ne seront pas. Ce ne sera pas, mettons, l'équipe à battre comme ça l'était l'année dernière, là, tu sais, si Alexandre Goulet n'est pas là. Ben, tu sais, on a peut-être un peu Laval qui est allé chercher la profondeur que, mettons, Tedford avait l'année passée. Alain Dubois aussi, Labbé, ça aussi, c'est un gros morceau qui manque, Dylan Labbé, là, ça fait un bout qui n'est plus là, là, Dylan Labbé, lui, avec. Lépine qui était absent, ça va me passer aussi, il y a beaucoup d'absents, puis, c'est un peu pour toutes les équipes, là, qu'on dit ça, là, tu sais, on avance dans la saison, les séries arrivent bientôt, et on se dit, ben, tu sais, les équipes en santé, c'est les équipes... qui vont peut-être gagner plus de matchs aussi. Il y a des gars qui vont rentrer puis que oui, ils sont bons, mais quand tu as la même gang toute l'année, ça va un petit peu mieux de l'habitude. Là, on va voir de ce côté-là. Là, ça serait le fun justement que les blessés reviennent, mais un peu pour tout le monde. Là. On va avoir encore du meilleur hockey. Ouais, c'est ça. Fait que mot de la fin. Ouais, ben je l'ai juste montré. On a parlé un petit peu des gardiens. J'ai vu quelqu'un qui disait que l'absence de Marcoux, mais dans les trois étoiles, on a quand même Guillaume Desselles qui a encore bien figuré. Mm-hmm. Deux gardiens sur trois, les trois étoiles de la semaine. Ouais. Danny Potvin, première étoile, 4 buts, 2 passes. Ouais, grosse fin de semaine de Danny Potvin. Qui est en train quasiment un point par match cette année, Danny Potvin, assistant capitaine à Montcalm. Je pense que c'est vraiment un des joueurs qui connaît une grosse saison, qui donne du gros hockey à Montcalm. Ben, tu parlais de bounce back. On avait parlé à Danny en entrevue, puis il nous avait dit qu'il était peut-être pas pleinement satisfait de sa saison la saison dernière. Je pense qu'il était content de son arrivée là, avec les bâtisseurs, pour sa place aussi avec l'équipe. Puis je pense qu'il y a une opportunité qu'il a réussi à saisir. On le voit en ce moment, première étoile de la semaine, mais aussi une bonne saison dans son ensemble. Moi, je pense qu'il aurait la chance d'établir des sommets personnels, comme on dit. Il est seulement à 5 points là, de son meilleur total en carrière de points, qui était 26. Avec les Éperviers en 2018. Les buts, il en manque quand même 6. Fait que ça, c'est. Il a déjà son meilleur total de passes dans une saison. Au niveau des buts, 6 d'ici la fin de la saison, c'est peut-être, mais au niveau des points, il y a des bonnes chances de battre son record-là. Mm-hmm. Yes. Est-ce que tu avais un quiz, Dave? Oui, j'ai un petit quiz. S'il y en a qui sont encore là, qui veulent y participer, il y a beaucoup de réponses à mon quiz cette semaine, fait que vous pourrez faire celle que vous voulez. Parce que comme je le dis souvent, j'essaie tout le temps de m'inspirer là, des invités qu'on a. Donc, Tristan Côté-Cazenave, en 2018-2019, avait été nommé sur la deuxième étoile d'équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Avait été reconnu comme étant le deuxième meilleur gardien dans toute la Ligue cette année-là. Quels autres gardiens ayant joué dans la LNH ont déjà reçu pareil honneur, donc soit être nommé sur la première ou la deuxième équipe d'étoiles dans la Ligue junior majeure du Québec? Je vais dire depuis 2004, parce que plus je remontais, plus il y en avait. Fait que si on ne veut pas être là jusqu'à minuit, je vais dire depuis 2004, mais il y en a quand même une coupe. Donc, si vous voulez vous essayer, ça m'a étonné de voir à quel point il y a eu des gardiens avec des gros pédigrés, des gardiens de qualité qui ont passé dans la Ligue nord-américaine. Il y en a-t-il une couple qui sont actuels comme actifs? Non, ceux qui sont actifs, il y en a deux. Si on enlève côté Cazenave, il y en a deux autres qui sont actifs. Et Étienne Marcoux? Oui, Étienne Marcoux, évidemment. Le deuxième, Marc-Antoine Gélinas? Non. J'ai envie de dire Leclerc. Francis Leclerc? Non plus. Non.
Là, c'est comme tu donnes la chance, on est rié. Ouais, mais là, je veux dire, dans l'autre, il y en reste un qui est actif. Là. Ouais. Je dirais, pensez au. Non, ben, je vois un nom, Philippe Cadorette. Ouais, c'était Philippe Cadorette, l'autre qui est actif. Et voilà. Les deux plus récents récipiendaires du gardien de l'année dans la Ligue américaine. Alexandre Vachon qui dit Adam Rousseau. Adam Rousseau, c'en est un également. OK. Il en reste combien, hein, mettons, on a trouvé trois. 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste encore 7. 7. Sur une équipe, première équipe d'étoiles ou deuxième? Peut-être Karel Saint-Laurent? Non. Les autres, c'est ça, les autres sont plus dans la ligue. Il y en a qui ont quand même eu des courts passages dans la ligue. Là, fait que ceux-là, ils seraient tough pas mal. Mais disons qu'il y en a un. Il y en a un que ça a été un haut choix au repêchage. Qui est également quand même gagné le trophée du joueur le plus utile des séries dans la Ligue nord-américaine. Ah, quelqu'un qui est Cédric Desjardins, par exemple. Ah, non, pas Cédric Desjardins. Non. Ouais, c'est un des bons pédigrés qui est dans la Ligue aussi. Un haut repêchage et. Je dirais dans les trois premières rondes. Si je ne me trompe pas, je veux juste être sûr pour dire de la merde, mais je suis pas mal sûr que c'était dans les trois premières rondes. Effectivement. Choix de troisième round. Samuot qui dit Kevin Poulin. Kevin Poulin, ça n'est un. Il a seulement joué un match à Laval, mais Kevin Poulin, ça n'est un. Avec les Prédateurs dans le temps. Kevin Poulin. J'essaie de reculer. J'ai pas le même historique que vous avec la Ligue nord-américaine. Là. Fait que j'essaie de reculer un peu, mais. Oui. Jean-Philippe Levasseur? Non, pas Jean-Philippe Levasseur. Un qui a été. Je pense que c'est un choix de 7e ronde. C'était pas 3e ronde. C'est ça. Je dirais le plus facile qui reste à trouver, ce serait celui-là qui a été gagné le joueur plus par excellence des séries. Quand même assez récemment. Là. C'est sûr qu'il y a eu la pause COVID, là, mais dans les dernières des séries assez récentes. Gone poor sleep. Non, il y en a un autre qui a gagné. Je vais être sûr, là. Est-ce que j'avance? Mais qui a gagné le gardien de l'année dans la Ligue nord-américaine et le joueur le plus utile dans la Ligue nord-américaine. Ça, ce n'est un autre qui avait été aussi repêché dans la Ligue nationale. Soit de 6e ronde. Peut-être Olivier Michaud. C'est un peu trop vieux, ça, c'est avant 2004. Ah ouais. Ouais. François Pelletier dit gardien, c'est vrai, quand ils ont gagné la coupe la dernière fois, quand ils ont gagné la coupe la première fois, c'est celui que je cherche. La deuxième fois, c'était Maxime Clermont. Non, pas Clermont, pas le Clacasse. Ah, j'avoue, claquant. Bon guess, des bons gardiens. Je ne sais pas si c'est des fans de Trois-Rivières qui nous regardent, mais l'autre que je cherche, il avait gagné le joueur le plus utile à l'époque, il jouait à Trois-Rivières. C'est un Sorellois qui jouait à Trois-Rivières, qui d'ailleurs est rendu membre de la clinique Hockey Impulsion pour les gardiens. Il aide pour les gardiens. Oh, attends. Bon, je l'avais vu l'autre jour. On va attendre encore mettons un 30 secondes, puis je vais y aller des réponses.
Samuel qui dit Julien. Oui, Julien, Samuel. Julien Élie, c'est ça? Élis. Élie, ouais. Élis. Julien Élis qui avait, dans le fond, ses deux premières années dans la Ligue à Trois-Rivières, avait gagné recrue défensive de l'année, puis l'année suivante, avait gagné gardien de l'année et joueur le plus utile en 2011 à peu près. Donc, ça avait été un joueur. Puis, oui, Hugo Côte-Mort, Cousineau, Marco Cousineau, gardien des Éperviers, quand on a gagné la Coupe en 2018, avait été nommé le joueur le plus utile. Ça permet de faire un petit lien également avec quelque chose qui s'est passé en fin de semaine. Les Éperviers qui ont blanchi l'assurancier à Thetford Mines. J'ai pas été voir les stats officielles, mais je serais prêt à parier que la dernière fois que c'est arrivé que Thetford Mines soit blanchi à la maison dans la Ligue nord-américaine, c'était contre Marco Cousineau, puis c'était le match numéro 6 de la demi-finale en 2018. Wow. Marco Cousineau avait fait... Sorel, cette année-là, Sorel perdait 3-1 la série contre Thetford Mines, puis Marco Cousineau a donné 3 buts en 3 matchs, les matchs 5-6-7, goalé sa performance de sa vie, je pense que peut-être, là, mais avait été excellent. Fait que c'est ça. Les autres, je les donnais parce que là, on s'en vient dans des joueurs un petit peu plus obscurs là, de la Ligue nord-américaine. Mais il y avait Kevin Desfossé qui a gaulé à Québec, à Thetford Mines. Avec les remparts dans la LGMQ. Donc, oui. Kevin Desfossé, Martin Hull, qui lui n'a pas gardé les buts beaucoup dans la Ligue nord-américaine. Lui aussi, ça fait un petit peu plus longtemps, là, avec gardé un petit peu à Rivière-du-Loup. Peut-être Denis, s'il est encore là, sans rappel, là, ça fait un petit bout. Puis Mathieu Corbeil, qui lui aussi a gardé les buts à Rivière-du-Loup récemment, un peu à Laval, si je ne me trompe pas. Puis le dernier, c'est Charles Lavigne, qui lui a gardé les buts à Cornwall au milieu des années 2010. Fait que, c'est ça, toutes ces réponses-là. Il y en avait beaucoup, mais il y en avait des difficiles. Bon quiz. Voilà. Puis Tristan Côté-Cazenave, c'est le plus récent qui s'ajoute à cette liste-là. Donc, quand on parle là, du talent qu'il y a dans la Ligue nord-américaine, c'est pas juste les joueurs, les gardiens également sont très, très bien représentés à ce niveau-là dans la Ligue nord-américaine. Si les gens vous en parlent, vous pourrez leur dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens joueurs qui ont été nommés sur l'équipe d'étoiles chez les gardiens. Ouais, avec Pete Carvounaris, Hugo Goldnoir disait à Cornwall, Charles Lavigne. Il formait un bon duo de gardiens. Quoi. Le complément à l'information de Hugo, yes. Exactement. Peut-être en terminant, là, je vais remettre le petit lien là, GoFundMe. Donc, pour le GoFundMe de Christian Deschênes en soutien à David Lacroix pour les traitements expérimentaux. Expérimentaux. Comment on dit ça, les gars? Chantal. Hein? Donc, comme mot de la fin, j'aimerais remercier tout le monde qui ont été là aujourd'hui. Un podcast, en tout cas pour moi, qui a été émotif. C'était une dure semaine. J'espère qu'on va avoir quelques bonnes nouvelles, dans son cas surtout, là, mais pour compenser un petit peu et dans les prochaines semaines. Merci, Tristan Côté, de s'être prêté au jeu là, comme invité. Merci, François, là, d'être venu nous rendre visite au podcast cette semaine. Merci de me recevoir, messieurs. Toujours plaisir de vous parler. Donc, bon travail, Dave, également. On va souhaiter du bon hockey. Oui, puis je remercie à François Poliquin pour les beaux mots dans les commentaires. Sur ton quiz? Non, c'était sur nous, ça. C'était sur nous. Mais merci à Denis pour les commentaires sur mon quiz. Mais non, François Poliquin parlait de nous dans l'ensemble. Good.
All right. Donc, merci. Merci tout le monde. Merci d'être là. Merci de nous soutenir, nous aussi. Et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.